Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau débat des universités d'automne de la gauche républicaine et sociale avec nos invités aujourd'hui pour parler de la grande bifurcation, bien sûr cette grande bifurcation sur la construction européenne, la souveraineté des nations en Europe, mais aussi les objectifs climatiques. On va en parler aujourd'hui avec Vincent Boulet du Parti de gauche européen, bonjour. Bonjour. Bonjour, on est également avec David Jess, qui est essayiste et enseignant à Sciences Po, auteur d'un livre qui s'appelle « Slow Democracy », donc de quoi parler aussi de bifurcation démocratique. Bonjour David. Bonjour Alexis. On est également avec Anne-Laure Kieschel, qui a fondé Global Sovereign Advisory, qui a été également conseillère d'Alexis Tsipras pendant quelques années, de 2016 à 2019. Bonjour Anne-Laure. Bonjour Alexis. Bonjour. Avec nous également Virginie Rosière, qui est conseillère régionale et coprésidente des Radicaux de gauche, qui a écrit « En finir avec les euros cyniques ». Bonjour Virginie. Bonjour, bonjour Alexis, bonjour tout le monde. Bonjour. Et Aurélie Filippetti, ancienne ministre, qui nous rejoint également et qui est, elle, l'auteur des Idéaux, un livre également dont on parlera dans ce débat. Bonjour Aurélie. Et avec nous, Emmanuel Morel, qui est député européen et référent national de la gauche républicaine et sociale. Bonjour Emmanuel. Et socialiste, pardon. Oui, bonjour. Bonjour Alexis, bonjour à tous et merci d'être là. Alors, avant de commencer ce débat, nous allons regarder une vidéo de François Ruffin, puisqu'il ne peut pas nous rejoindre en direct dans ce débat. Et puis, on rebondira après. On a 2 heures, bien sûr, pour débattre de cette grande bifurcation. Donc, je vous donnerai la parole après cette vidéo que nous allons tous regarder ensemble. Salut Marie-Noël. Bon, je sais que Marie-Noël, t'es pas toute seule, que vous êtes nombreux là. Mais j'ai toujours besoin de m'adresser à quelqu'un, donc ce sera pour toi, Marie-Noël. Donc, j'ai bien vu votre interrogation sur la bifurcation, et c'est marrant parce que ça fait écho à une discussion que j'avais hier avec mon camarade communiste Sébastien Jumel, qui se demandait finalement, est-ce que avec la crise, avec 10 millions de pauvres, avec des gens qui sont dans l'inquiétude juste pour leur emploi, pour leur frigo, pour leur vie, est-ce que c'est le moment de parler de bifurcation ou est-ce que ça rend ça inaudible ? Je lui disais, au contraire, il me semble que c'est le moment. Il me semble que c'est dans des instants de crise comme ça qu'on doit proposer de reconstruire des pans de la société sur de nouvelles bases. De toute façon, c'est jamais le moment hein, quand on écoute les tenants du système dominant, parce que quand la machine elle roule et que ça va et qu'il y a de la croissance et ainsi de suite, c'est pas le moment de la faire dérailler. Et puis, quand elle va pas, faut la remettre en marche. Donc, l'exemple que je vais filer quand même, c'est l'exemple de Roosevelt qui propose finalement une semi-rupture, mais quand même une petite rupture en répondant à la crise de 29 par le New Deal, par des solutions qui ne sont pas de rupture avec le capitalisme, mais qui sont de rupture avec le capitalisme du laisser-faire et du libre-échange à l'époque. Et je pense qu'on est dans un temps qui peut appeler des réponses comme ça et qui peuvent être entendues par les gens. Parce que quand on bifurque, il ne s'agit pas de bifurquer sans les gens. Alors, qu'est-ce qui nous empêche de le faire ? Le libre-échange, c'est évident, pèse comme une tenaille. Il faut voir que le libre-échange, ce n'est pas seulement du dumping social, ce n'est pas seulement du dumping fiscal, ce n'est pas seulement du dumping environnemental, c'est avant tout pour moi, et je l'ai compris dernièrement, entre guillemets, mais le cœur de ça, c'est du dumping démocratique. C'est-à-dire faire que s'installe de la peur. On ne comprend pas notre univers social, on ne comprend pas ce qui se passe dans les entreprises si on n'y place pas au cœur ce mot de 4 lettres, peur. Peur qui règne de voir son emploi supprimé, être possiblement délocalisé, partir à l'autre bout du continent ou à l'autre bout du monde, quoi. Et donc, je vois, moi, l'œuvre du dumping démocratique effectué par le libre-échange. Alors, il y a des citations, il y a celle que j'aime bien de Gary Becker, qui en 1993, donc à un moment où en France c'est l'Europe de Maastricht, mais aux États-Unis c'est l'accord de libre-échange nord-américain, et on va voir les accords du GATT sur le ground qui font entrer l'agriculture dans la machine à laver de la mondialisation. Gary Becker qui dit, donc économiste ultra-libéral, prix Nobel d'économie,
Le droit du travail et la protection de l'environnement sont devenus excessifs dans la plupart des pays développés. Le libre-échange va réprimer certains de ces excès en obligeant chacun à rester concurrentiel face aux importations des pays en voie de développement. Lui y voit tous les avantages que va tirer son élite du libre-échange. Ce dumping sur la protection du travail et le droit de l'environnement, et il lie les deux. Mais même quand on regarde les dossiers dernièrement, il y a un espèce de ça va de soi du dumping parce qu'il y a la concurrence. Bridgestone, bah, qu'est-ce que vous voulez ? Il y a les pneus asiatiques, comme parle Agnès Pannier-Runacher, qui est quand même ma favorite au gouvernement des fois, qui parle de pneus asiatiques comme si c'était des frelons asiatiques et comme si c'était une invasion naturelle et non pas quelque chose de politiquement construit par des accords de libre-échange. Là, dumping sur l'industrie qui est évident. Mais quand on vote, on vote contre, nous, mais quand il y a du dumping fiscal avec la baisse des impôts dits de production, je déteste ce terme, c'est le leur, mais de 10 milliards d'euros par an, c'est présenté au nom de la concurrence. Voilà, il faut que nos entreprises elles soient concurrentes à l'international, même si les premières qui vont ramasser du pognon, comme pour le CICE, c'est Auchan, Casino, Carrefour, par exemple, c'est les grandes plateformes de logistique qui, pour le coup, sont pas tellement en concurrence à l'international. Bon, mais là, dumping fiscal au nom de la concurrence. Quand on vote en 2 minutes à l'Assemblée, on a eu à faire appuyer 2 fois sur un bouton pour le retour des néonicotinoïdes. Bon, on a voté contre. Et pour la loi de simplification administrative qui comportait, entre autres, que ça devait être plus facile pour un site industriel de s'installer avec moins de papiers à remplir et tout ça. Dans les deux cas, le dumping environnemental, là, qu'il soit dans l'agriculture ou qu'il soit dans l'industrie, il est justifié en permanence au nom de la concurrence. Et sur un dossier qui, moi, me tient un peu à cœur, qui est la 5G, non pas que je sois contre la 5G, je demande simplement qu'il y ait la possibilité d'une réappropriation démocratique de la technique, qu'il y ait la possibilité de s'interroger non pas seulement sur les moyens qu'on met en place, mais sur les finalités qu'on poursuit. Qu'est-ce que ça veut qu'on veut faire avec cet outil-là ? Davantage d'automatisation sur les plateformes logistiques, on va chasser des chauffeurs qui avaient du boulot. Qu'est-ce qu'on veut en faire ? Qu'il y ait une réappropriation démocratique, elle n'est pas permise parce qu'il y a la concurrence, on nous dit. Donc comme la Chine s'y met, comme les États-Unis s'y mettent, comme l'Allemagne s'y met, on doit être, nous aussi, un hamster qui pédalons, et rentrons dans cette course, puisqu'il nous a dit, voilà, on est à course, il faut être en tête de la course et tout ça. Simplement, là où je crois qu'il y a un décrochage et il y a la possibilité d'une bifurcation avec les gens, c'est presque, je vais parler, sur le plan existentiel ou métaphysique. C'est que cette course, les gens n'y croient plus. Ils n'en voient plus le sens. Il y a une perte de sens dans la société, c'est-à-dire qu'il y a une crise sanitaire, là, il y a une crise économique, sociale, environnementale, mais je dirais qu'en dessous de ça, il y a presque encore plus une crise morale et une crise métaphysique qui est la crise de la perte de sens. Quand les gens du gouvernement viennent répéter concurrence, croissance, mondialisation, compétitivité, tout ça, on a l'impression qu'eux-mêmes, ils sont saoulés par leur propre discours, qu'ils n'y croient plus. Mais les gens en face, nous d'abord, mais les gens en face, eux-mêmes, ce sont des mots qui les indiffèrent au mieux et qui, en général, les inquiètent. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent plus, nos gouvernants, à gouverner par l'envie et par l'enthousiasme, comme ça s'est fait dans les années 80, avec la décennie Tapie, Vive la crise Yves Montand, À la main qui est la mondialisation heureuse, vous connaissez ça par cœur. Ils n'y arrivent plus comme ça, donc, comme dit Gramsci, ils y arrivent par la force de coercition, c'est-à-dire par la police, mais ils n'y arrivent plus par l'envie. Il y a aujourd'hui un détachement de cette idéologie dominante, parce qu'elle ne fait plus sens pour nous. Donc, évidemment, le fait qu'il y ait une crise métaphysique quasiment, il faut, puisqu'il y a un détachement de l'idéologie dominante, proposer un rattachement à autre chose. Qu'est-ce qui serait possible de faire ? Bon, moi, je crois, oui, à du protectionnisme. Du protectionnisme européen si possible et du protectionnisme français, par exemple, avec une taxe kilométrique sur le nombre de kilomètres. Je pense que la clé de tout ça, du libre-échange, c'est le transport, c'est le faible coût du transport. Donc il faut trouver moyen de réaugmenter le coût du transport à la fois sur les routes, le symbole de l'Europe, c'est le camion, et sur le monde, sur les bateaux, le symbole de la mondialisation, c'est le porte-conteneur. Donc il faut trouver le moyen de réaugmenter les coûts du transport de manière à produire
un outil comptable pour une relocalisation. Je crois en effet aux quotas d'importation, aux taxes aux frontières, aux barrières douanières utilisées avec intelligence, c'est-à-dire on ne relève pas tout, que les taxes à 20%, ça n'aurait pas de sens, mais selon ce qu'on décide stratégiquement de vouloir relocaliser. Mais je crois à ça comme outil d'amortissement pour ne plus subir de la même manière le chantage à « on va partir à l'autre bout du continent ou à l'autre bout du monde ». Ça, c'est la première réponse. Il me semble que si jamais on parle de relocalisation, de reprendre notre destin en main et tout ça, et qu'on ne parle pas de la nécessité du protectionnisme, c'est qu'on ne met pas des moyens en face des finalités qu'on poursuit. Bon, mais il ne faut pas en faire, évidemment, l'alpha et l'oméga. Moi, je crois que la France a un rôle géopolitique à faire, c'est de devenir la leader de l'Europe du Sud. C'est presque le premier reproche que j'ai fait à François Hollande quand il était élu, c'est-à-dire que son premier geste à l'international a été de prendre la parole sur la première chaîne de télévision grecque privée pour dire « ne votez pas Tsipras ». Il aurait dû au contraire dire « votez Syriza, comme ça ». Avec la France, nous aurons un allié supplémentaire pour aller peser face à Berlin, face à Francfort, face à Bruxelles. Et je pense que le premier geste diplomatique de François Hollande élu aurait dû être de faire une tournée de l'Europe du Sud, du Portugal, de l'Espagne, de l'Italie, de la Grèce. Et je dirais, quelle que soit la couleur politique du gouvernement, mais d'aller chercher à la fois le peuple et les dirigeants. Parce que on a une Europe du Sud qui est en souffrance dans la durée, et que la France a le choix soit d'être le petit caniche de Berlin, soit de devenir le fer de lance d'une Europe du Sud qui pèse pour changer les règles par des désobéissances, mais non pas peut-être des désobéissances isolées, mais des désobéissances organisées avec d'autres pays éventuellement. Donc, ensuite, je parlais d'un truc, et puis je vais terminer là-dessus, qui va paraître un peu anecdotique ou folklorique, c'est le zinzin Ruffin, tu vois, bon, Marie-Noël. Mais il faut montrer aujourd'hui ce que pourraient être les germes du monde qu'on veut demain. Là, c'est pas une question d'argent. Le souci, il n'est pas là. On met tous les ans 20 milliards de CICE, et d'après France Stratégie, ça a créé 100 000 emplois. Donc on avait calculé. Non, c'est peut-être. Oui, si, c'est ça. On était à 1 million d'euros par emploi. Et de la même manière, on retrouve la même chose là, sur les baisses de cotisations sur les impôts de production. C'est Rexecode, donc, qui est un institut patronal, qui a calculé que d'ici 2030, ça créerait 100 000 emplois, ça fait 100 milliards d'euros, et de la même manière, on en sera à 1 million d'euros par emploi créé. Bon, dans les deux cas. Donc on a 30 milliards là qui sont à une gabegie phénoménale. Ça veut dire que si on décidait, à la place de saupoudrer ça sans ciblage au privé, et qu'on disait de le donner au public ou au semi-public, au monde associatif et ainsi de suite, c'est l'équivalent de 1 500 000 emplois au SMIC en totalité qu'on peut payer. Alors qu'en le donnant au privé, ça n'en crée au mieux que 200 000. Donc on est dans un truc qui est absolument délirant. Maintenant, qu'est-ce qu'on en ferait de cette manne d'emplois publics ? Je pense qu'il y a des métiers qui sont inventés. Il faut les poser, il faut dire ce qu'on veut. Par exemple, moi, je suis pour qu'il y ait des réparateurs, que dans chaque quartier, dans chaque canton, dans les campagnes, il y ait un réparateur de téléphone portable, de machine à laver, de tout ça, qu'il y ait un endroit où on puisse aller déposer son matériel, que ça soit subventionné, parce qu'on sait que sinon, ça ne sera pas compétitif avec du matériel produit à l'autre bout de la planète. Aujourd'hui, c'est moins cher de produire à nouveau que de réparer. Donc, voilà, c'est le type de métier qu'on peut créer. Dans toutes les gares, on pourrait avoir un réparateur vélo. Mais, alors je vais dire des trucs là qui vont encore paraître plus... C'est pas grave, c'est moi. Hein. C'est pas la parole officielle de la France insoumise que vous avez là. Mais je pense que des poètes qui viennent dans les gares pour à l'impromptu faire des scènes ou réciter des poésies aux voyageurs, ça serait pas mal. Je pense que si dans les cantines des usines, il y avait des
des contrebasses, des clavecins, qui venaient jouer de la musique classique le midi, ça serait marrant. Je pense que si jamais on avait des fresques, non pas seulement des graffitis, mais des véritables fresques urbaines qui étaient dessinées un peu partout sur les murs de nos villes et pourquoi pas de nos campagnes, sur des sites abandonnés ou ainsi de suite, ça serait chouette aussi. Si on avait des photographes qui allaient passer une journée, vous savez, j'ai un copain, Vincent, sa mère, elle est partie à la retraite, elle travaillait dans un hôpital. Il allait passer la dernière nuit avec sa mère dans ce service. C'est les soins palliatifs. Voilà. Il est passé la dernière nuit là-bas. Mais sinon, c'était comme un continent qui n'ignorait de sa mère. Moi, mon père, je n'ai pas une seule photo de mon père au travail. Voilà, si on allait suivre les travailleurs avec des photographes qui, pendant une journée, prenaient des photos et que le gars éboueur, la femme de ménage, elle peut revenir à la maison en montrant ses photos, c'est les emplois créés. Je dis ça parce que dans les ténèbres, il faut allumer la lumière. Il faut allumer la lumière sur le sens de ce qu'on veut demain. Le sens de ce qu'on veut demain, c'est que le frigo il soit rempli. Mais c'est aussi qu'on rallume des étoiles. Qu'on fasse briller une espérance, tu vois, et qu'il y a un droit à la beauté, qu'il y a un droit à la joie, qu'il y a un droit à la musique, que ça soit pas seulement pour la fête de la musique. Le premier jour où un gars a dû proposer la fête de la musique, j'ai vu que c'est un musicien qui s'appelait Cohen, on a dû le prendre pour un barge. Mais pourquoi la fête de la musique, c'est pas tous les jours? Tu vois, la gauche, ça doit être ça aussi. Pourquoi les œuvres d'art, elles restent dans les musées et pourquoi on ne les fait pas sortir de là? C'est pas avec ça forcément qu'on va créer des millions d'emplois. Mais vous savez, je citais Roosevelt au début, parce que le New Deal, il avait aussi envoyé des comédiens jouer du théâtre dans les campagnes. Il avait envoyé des photographes prendre des clichés dans le sud noir. Il avait envoyé... Enfin, voilà. Il avait... c'était des musiciens et s'était appuyé sur tout ça pour redonner une âme aussi, ranimer le pays. Un pays, ça tient pas seulement sur du PIB, ça tient aussi sur son âme. Et aujourd'hui, peut-être encore plus fortement que le PIB, ce qui s'est écroulé depuis des années, c'est l'âme de notre pays. Voilà. Bon, voilà. Salut tout le monde et puis bon congrès si ça peut vous être utile. Bien voilà le message de François Ruffin. Alors, rallumer les lumières, c'est urgent, effectivement, rallumer les étoiles, une question de dépasser les peurs, la place de la technologie, aussi la place de la France. Emmanuel Morel, ça vous évoque quoi, cette prise de parole de François Ruffin par rapport à tout ce qu'il y a à faire, finalement, pour aller dans le bon sens, bifurquer? Je crois d'abord que François Ruffin a dit quelque chose de très juste. Il parle de crise morale et métaphysique. Et c'est vrai qu'on a tendance à sous-estimer l'impact quasi anthropologique du capitalisme financier transnational. C'est-à-dire que on est dans une période d'accélération, une accélération qui est très impressionnante, hein, qui va jusqu'au vertige. Et face à ça, on a des individus qui sont seuls dans la détresse, plongés dans le grand bain néolibéral et qui peinent à trouver des réponses. Ça, c'est vraiment une intuition très juste. Et c'est pour ça qu'il faut à la fois ralentir et bifurquer. C'est d'autant plus important aujourd'hui qu'on traverse une crise multiforme, assez traumatisante, qui agit comme un formidable accélérateur. Parce que nous, hommes et femmes de gauche, on se dit, forcément, la leçon de la crise, c'est qu'il faut le retour de l'État, il faut plus de protection, faut plus de protection sociale, il faut plus de solidarité. Mais en face, on a des idéologues, ceux du néolibéralisme, qui pensent exactement le contraire, qui pensent que finalement, cette crise, elle va renforcer certains traits du capitalisme financier. Je prends plusieurs choses. D'abord, toutes ces faillites qu'on annonce de petites entreprises. Nous, on pense que c'est catastrophique, mais pour beaucoup de néolibéraux, ça participe de ce que Schumpeter appelait la destruction créatrice, c'est-à-dire on se débarrasse des canards boiteux, vous vous souvenez, c'était l'expression de Jean-Pierre Jouyet il y a quelques années, et puis on a une économie qui se renforce. De la même façon, vous avez un changement de mode de consommation qui est induit par la crise, avec la domination sans partage des hypermarchés et des plateformes numériques. De la même façon, nous, on sort de là en disant les premiers de corvée sont plus importants que les premiers de cordée. Mais il y en a d'autres qui vous disent, mais ce qui est formidable, c'est l'explosion du télétravail, et donc ça va mettre à mal les solidarités collectives, les protections syndicales, et ça participe
de cette mutation du capitalisme. Donc, et il y a des changements géopolitiques, parce que Ruffin a eu totalement raison de parler de la Chine. Il s'est passé quelque chose de très important cette semaine, dont personne n'a parlé. C'est que la Chine a signé un énorme accord de libre-échange avec tous les pays du sud-est asiatique, et même au-delà, Australie, Nouvelle-Zélande. C'est-à-dire que pendant que nous, on avait les yeux rivés sur l'Amérique, les élections, Trump, Biden, bah, les Chinois sont en train de d'affermir encore plus leur puissance commerciale. Bah, face à ça, il faut évidemment des réponses. Et alors, bifurquer, je pense que c'est le mot juste, mais il faut qu'on soit clair là-dessus, les bifurcations, c'est des ruptures fortes, radicales. À la fois, il y a besoin de désintoxication idéologique, parce qu'il va falloir répondre pied à pied à un certain nombre d'affirmations. Et puis surtout, bah, quand je dis rupture radicale, c'est simple, on a en face de nous, je parle d'un point de vue géopolitique, des États qui revendiquent et qui exercent leur puissance. Bah, soit on est capable de répondre au niveau européen, soit il faudra aussi le faire au niveau français, se faire respecter. On a en face de nous, ça a été très bien dit sur les GAFAM, hein, et sur l'emprise du numérique sur nos vies, des multinationales qui n'ont que faire des règles, des États, des frontières. Bah, il va falloir remettre de la régulation, réhabiliter l'État stratège, et puis protéger les frontières quand il le faut. Alors, je reviendrai sur le libre-échange, parce que ça fait partie des choses qui me passionnent quand j'y travaille au Parlement européen. On a notamment le débat aujourd'hui sur l'ajustement carbone. Mais ce qui est sûr, en tout cas, c'est que la bifurcation, c'est la rupture. Et donc, il faut répondre pied à pied à tous les défis qui nous sont aujourd'hui posés. Alors, je reprends la parole. Effectivement, il y a beaucoup de défis. François Ruffin parle de beaucoup d'idées, y compris faire appel aux poètes. Je voudrais passer la parole à Aurélie Filippetti, qui a écrit un livre sur les idéaux. Est-ce qu'il ne faut pas justement faire montre là de créativité pour cette bifurcation, pour qu'elle soit réussie, parce qu'il est question là d'une lutte idéologique, effectivement, celle contre la mondialisation qui s'est avérée ne pas être heureuse et qui atteint finalement ses limites. Bonjour à tous. Oui, je pense que le changement de ce qu'on appelle le changement de paradigme, en fait, hein, c'est-à-dire en termes un peu pompeux, au fond, le changement dans la manière dont on va voir le monde, l'analyser, et puis aussi proposer et construire ensemble un nouveau projet de société, en fait. C'est ça la clé. Selon moi. C'est ça la bifurcation, au fond. Il s'agit peut-être plus maintenant de dire où l'on veut aller que de dénoncer les impasses où l'on se trouve, parce que je pense que maintenant, ça, tout le monde, enfin, tous les gens les ont bien en tête et les ont surtout bien ressentis dans leur vie quotidienne, dans leur corps et dans leurs esprits. Pour ma part, je pense qu'il faut effectivement remettre la créativité à l'honneur. Ça ne veut pas dire seulement la créativité des artistes ou du milieu de l'art et de la culture, bien sûr, mais ça veut dire en fait qu'on ait recours à notre imagination à tous et qu'on laisse chacun aussi le plus libre possible d'inventer sa vie. Et quel est le rôle à ce moment-là des politiques publiques ? Pour moi, je pense qu'au fond, peut-être qu'il faut inverser les priorités. Et c'est sûr que l'économie, enfin tout ce qu'a dit Emmanuel Maurel et ce qu'avait dit François Ruffin sur, par exemple, les délocalisations et les relocalisations en France ou en Europe, bon, je suis complètement d'accord. Mais peut-être qu'au fond, le meilleur moyen de changer complètement notre manière de voir, de vraiment bifurquer et de prendre un chemin de traverse, un sentier bucolique en quelque sorte, mais au fond, qu'on sera tous heureux de prendre, ça serait de se dire que l'économie doit redevenir seconde. Elle doit redevenir seconde, elle doit redevenir ce qu'elle est, c'est-à-dire seconde au sens de seconder. Elle est là pour aider, pour accompagner, pour soutenir des projets de société, mais qui sont au-delà d'elle et qui ont un sens en eux-mêmes. Et ces projets, c'est quoi ? Ben, c'est au fond, qu'est-ce qu'on fait ensemble ? On est ensemble dans une société pour pouvoir construire du commun. Et ça passe par quoi ? Ça passe par, évidemment, la culture, bien sûr. Ça passe par l'éducation. Et ça passe par prendre soin des autres, prendre soin de la santé, bien entendu, et on l'a vu avec la crise du Covid, mais aussi le soin qu'on apporte aux personnes âgées, aux personnes les plus vulnérables dans la société, les personnes handicapées, etc. Et donc, au fond, ça veut dire que ça, ce sont les objectifs premiers d'une société, d'un vivre ensemble. Et l'économie est au service de ça. Et je dirais, au fond, la transition écologique, la transition énergétique,
qui est aussi évidemment un objectif fondamental hein, de ce qu'on doit construire. Mais c'est aussi quelque chose, au fond, qui est un moyen pour continuer à vivre ensemble, mais continuer comment et qu'est-ce que c'est que le vivre ensemble. Voilà. Donc pour moi, remettre la question de la culture, du partage des savoirs et de la santé et du respect que l'on doit à ceux qui sont les plus fragiles ou qui sont les plus anciens ou qui sont les plus petits aussi, les plus jeunes, les enfants, etc. Voilà. Ça me semble au fond vraiment être de nature à transformer complètement notre manière de concevoir la politique publique. Ça veut dire qu'au fond, les ministères, par exemple, prioritaires ne doivent plus être les ministères qu'on appelle les ministères régaliens. Les ministères prioritaires, ça devrait être, selon moi, l'éducation nationale, l'enseignement supérieur et la recherche, le ministère de la santé, mais vraiment avec une réappropriation des outils dont il a été dépecé en fait au fur et à mesure à travers les mécanismes d'agenciarisation. Et donc en fait voilà, remontrer en fait aux gens le sens de tout ça, ce pourquoi au fond il vaut la peine d'être ensemble, parce que ça, ce sont des choses qu'on ne pourrait pas construire tout seul. Alors c'est intéressant de voir où aller et de dépasser hein, ce cadre économique qui est paramount, qui est au-dessus de tout. Il y a quand même aujourd'hui les prêtres sacrificiels de la dette hein, qui sont toujours là et extrêmement puissants. Et je vais passer la parole à Anne-Laure Kieschel parce qu'elle travaille sur cette question de dette. Comment dépasser ce cadre de l'économie où on a toujours eu à peu près le même discours, même si aujourd'hui l'Europe fait énormément de dettes pour essayer d'avoir un plan de relance suite à la crise sanitaire qui est devenue une crise économique. Est-ce qu'on peut réellement lutter contre les prêtres de la dette? Est-ce que ceux-là vont disparaître dans les années qui viennent avec ce changement de paradigme, cette grande bifurcation? Alors oui, on peut tout à fait lutter et on a d'ailleurs déjà vu qu'il y avait des gens, par exemple, on prend l'Allemagne, qui était le chantre de l'austérité et qui, en une semaine, quand il s'agissait de sauver quelque part l'Allemagne ou en tous les cas de faire des choses positives par rapport à l'Allemagne, a été capable de changer complètement de doctrine, ce qui semblait être une doctrine absolument immuable. Mais je voudrais juste, avant de répondre plus précisément à votre question, revenir sur un peu ce qui a été dit, parce que c'est des choses en effet très très importantes. Le premier sujet, c'est vraiment quelle société? C'est ce que vient de dire Aurélie Filippetti. Quelle société? Et le sujet, et pourquoi il y a des crises et il y a aussi un sentiment de mal-être, c'est parce qu'on n'a pas répondu à quelle société, qui doit être évidemment un projet éminemment citoyen, éminemment partagé. Et ensuite, en effet, on ne met pas en cohérence le quelle société. Et c'est là où je ferai le lien après avec la dette. Parce que de la dette des milliards, il y en a plein. Enfin, vous voyez bien que dès qu'il y a un sujet, on commence à dire, allez, 10 milliards par-ci, 20 milliards par-là, etc. Donc, le sujet n'est pas les moyens. Et je reviendrai sur ce point qui est très important. Mais c'est quelle société, quel projet de société, et ensuite, comment est-ce qu'on l'organise de manière cohérente, puisque pour qu'en effet, après, tout le monde soit aligné. Tout le monde, c'est évidemment l'État. C'est, oui, des ministères qui peuvent être plus importants que d'autres, mais c'est aussi toute la société que l'on entraîne, et le secteur privé, bien sûr, aussi, pour aller dans la même direction. La deuxième des choses que je voudrais dire, qui est très importante aussi dans ces considérations-là, c'est la question de la valeur. Parce qu'en fait, on a, au fil des années, complètement divergé, et ça il faut qu'on comprenne ça, c'est très important pour comprendre aussi pourquoi il faut reconstruire et pourquoi il faut partir d'une certaine manière sur certains sujets d'une page blanche. On ne s'est pas rendu compte, on ne s'est pas interrogé, alors il y a certains qui disent qu'on l'a fait exprès, je pense franchement qu'on s'est plutôt laissé entraîner qu'autre chose, sur où était la valeur. Si on prend par exemple trois blocs, je simplifie évidemment à l'extrême, les consommateurs, les employés et les actionnaires, la valeur a dérivé de manière extrêmement claire et forte vers les actionnaires. Alors, laissons de côté si on pense que c'était un choix conscient. Encore une fois, je pense que ce n'est pas aussi conscient que ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une surrémunération ou une surcompensation des actionnaires au détriment des salariés ou au détriment des travailleurs, si on veut dire ça de manière plus large. Et évidemment, bien sûr, au détriment du pouvoir d'achat et des consommateurs qui se retrouvent après dans des situations complètement contradictoires dans lesquelles on dit consommer bio, il faut que vous ayez une alimentation saine, etc. Mais quand on n'a pas le pouvoir d'achat pour pouvoir faire ça à la fin du mois, on ne peut évidemment pas faire ce genre de choses. Donc, le sujet de la valeur doit être quelque chose que l'on reconsidère aussi de manière transversale sur les sujets de projets de société. Et enfin, et Emmanuel Morel le disait très très justement, tout ça ne peut se faire que dans la compréhension
forte, fine, des évolutions géopolitiques et en effet d'un shift vers l'Asie absolument fort. Emmanuel a à juste titre mentionné cet élément extrêmement important qui s'est passé, même si toujours, vous savez qu'entre les accords et la pratique, il peut y avoir plusieurs décalages. Mais il y a ça, et puis il y a eu cette même semaine-là aussi des réunions entre Afrique et Chine, où on sait très bien que l'Afrique est en partie, et la dette est une situation d'esclavage, hein, quelque part, mais est en partie dans les mains de la Chine parce que la Chine est le plus grand créancier des pays africains. Là, je généralise un peu parce que dire l'Afrique en un bloc, c'est un peu réducteur, mais juste pour aller vite et pour expliquer ça. Et il y a aussi eu, au cours des deux dernières semaines, plusieurs sommets qui devaient justement viser à renforcer encore plus les liens avec le continent africain, avec une politique de soft power extrêmement fine, faite au niveau de think tank extrêmement précis. Et donc, il faut regarder ces choses-là sans naïveté aucune. Alors, pour revenir sur la question, mais c'était important de poser ce cadre-là. On va faire un tour de table, on reviendra sur la géopolitique, évidemment, mais je voulais rebondir sur ce que vous venez de dire et passer la parole à David Jay sur le problème du fait que l'actionnariat ait finalement pompé toutes les ressources. C'est aussi parce qu'il y a un vrai manque de démocratie dans l'entreprise. Donc, les écureuils les plus gourmands ont pris toutes les noisettes. Ça, c'est normal, puisqu'on ne pouvait pas les empêcher de prendre toutes les noisettes. Alors, justement, dans ce changement de société, quelle démocratie, quelle gouvernance on pourrait avoir, envisager? Comment vous avez-vous travailler à cette refondation démocratique, David Jays? Oui, bonjour. C'est vrai que le mot de bifurcation, d'abord, est le bon, parce qu'il s'agit d'imprimer un virage, peut-être pas à 180 degrés, mais un virage assez significatif par rapport à nos façons de penser, de produire, de nous déplacer, d'habiter. Et ces bifurcations, elles sont de plusieurs natures. C'est une bifurcation écologique, d'abord, puisque nous sommes en train de détruire notre planète et donc de compromettre pour les générations futures son habitabilité. C'est une bifurcation économique aussi, puisqu'il faut rompre effectivement avec ce capitalisme financiarisé dont vous parliez tout à l'heure et cette mondialisation néolibérale qui est arrivée à bout de souffle. Mais c'est aussi, et je voudrais insister là-dessus avant de vous répondre directement sur la démocratie, une bifurcation intellectuelle. Il me semble que nous changeons de civilisation. La modernité, qui va du XVIe au début du XXIe siècle, pour moi, c'était d'abord une affaire de repousser des frontières. La modernité occidentale, j'entends. Des frontières géographiques, puisque la colonisation a quand même fait partie de son logiciel. Des frontières technologiques aussi, puisque toute la dynamique du capitalisme repose sur le progrès technique et scientifique. Et je ne dis pas du tout qu'il faille liquider certaines dimensions du progrès technique et scientifique. Mais ce avec quoi nous nous trouvons désormais, c'est au fond quelque chose de préoccupant. Nous avons sans cesse repoussé des frontières, mais ce qui nous fait défaut aujourd'hui, c'est un sol commun. Et j'emploie cette expression de sol commun, pas dans le sens identitaire, c'est-à-dire un Heimat ou une patrie étriquée qui se défierait des autres. Mais c'est vraiment la possibilité d'habiter un monde en commun, une planète, évidemment, mais aussi des sociétés, des républiques, des démocraties qui soient vivables. Alors, comment imprimer cette bifurcation? Effectivement, quand on est une dictature, ça peut paraître plus facile. Regardez, par exemple, la Chine, qui a annoncé, dans l'indifférence la plus totale des médias français, il y a quelques semaines, qu'elle se fixait pour objectif d'arriver à la neutralité carbone en 2060. C'est quand même assez spectaculaire pour un pays qui est le plus gros pollueur de la planète. Bon, d'abord, on jugera aux actes. Mais surtout, ça veut dire que pour y arriver, ce pays qui n'est pas une démocratie va détruire des secteurs entiers, ravager des territoires entiers, ruiner des petites gens sans jamais solliciter leur consentement. Si elle fait ce qu'elle dit, ça va détruire des centaines de millions de vies sans jamais que ça ait été délibéré. Nous sommes une démocratie, c'est le cas de la France et c'est le cas des nations qui composent l'Europe. Ça veut dire que pour imprimer cette bifurcation, ces bifurcations, nous devons construire de larges coalitions sociales et des majorités d'idées. Et nous aurons besoin pour cela des nations, parce que c'est à l'intérieur de ces nations que peuvent se former de telles coalitions. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous voyons sous nos yeux la démocratie sombrée, pas seulement en France d'ailleurs. Partout dans le monde occidental, on voit monter l'abstention,
s'effondrer le consentement, s'émietter les partis, le débat public devient quasiment impossible, sauf chez vous, et se résume à des échanges d'invectives, de noms d'oiseaux, d'insultes, alors que nous avons besoin plus que jamais de reconstruire de véritables coalitions et de véritables alliances sociales. Et je voudrais terminer en vous disant que nous avons besoin de nous réapproprier nos infrastructures matérielles face à ces discours imaginaires et identitaires. Et ces infrastructures matérielles, elles sont de deux types pour moi, et elles supposent la délibération démocratique. D'abord les nations démocratiques dont je parlais tout à l'heure, parce que en fait, une nation, dans la sociologie classique, c'est un réseau de solidarité, c'est un état social, c'est un contrat démocratique entre les individus qui sont des citoyens. Et aussi nos territoires et nos terroirs, et c'est pour ça que j'étais très sensible à ce que disait Ruffin tout à l'heure sur la façon de revitaliser les territoires, parce que nous avons besoin de recréer du lien et du liant entre les gens dans les territoires pour ralentir cette mondialisation et soustraire en quelque sorte une partie de l'organisation sociale à cette dictature des chaînes de valeur globales. Et comme nous sommes fièrement démocratiques, nous ne pourrons pas le faire autrement que dans la délibération. Et c'est ça qui nous manque cruellement aujourd'hui, et c'est la tâche historique qui est celle de tous les gens de bonne volonté dont nous sommes aujourd'hui. Alors justement, cette question à la fois des frontières, des valeurs défendues de la démocratie, elle est portée d'une certaine façon dans l'idéal européen, hein, tel qu'il a été énoncé, même si on le voit un peu à l'arrêt depuis Maastricht et le référendum de 2005. Virginie Rosière, comment vous voyez-vous le rôle de l'Europe, une bifurcation de la construction européenne pour justement que ce territoire, ce continent devienne le continent de la réinvention de la bifurcation ? Il faut mettre votre micro, Virginie, on ne vous entend pas. Voilà, oui, merci. La question est vaste et je ne suis pas sûre qu'on puisse l'épuiser en quelques dizaines de minutes de débat, mais peut-être que justement le but c'est de repartir de ce que nous pouvons vraiment reprendre en main, c'est l'objet de ce débat, et effectivement ça passe d'abord par l'échelle nationale pour après, mais j'étais heureuse de l'entendre aussi dans le discours de François Ruffin et puis de certains des participants pour faire de l'Europe le lieu du rapport de force. Le lieu du rapport de force à l'intérieur de l'Union européenne pour justement, lorsque l'on aura défini ce nouveau et suscité l'adhésion sur un nouveau modèle de société, de nouvelles priorités, une nouvelle direction, celle vers laquelle nous mène cette bifurcation, poser le rapport de force à l'intérieur de l'Union européenne et peut-être éviter de faire de l'Union européenne un épouvantail. C'est ce que font d'ailleurs à la fois les libéraux et puis les anti-européens en expliquant que c'est la source de toutes les décisions, qu'elles soient positives ou négatives, et en expliquant que l'échelon national est complètement dévitalisé. Je ne le crois pas, et je pense que nous avons énormément de leviers en main, justement, donc il faut se saisir. Donc pour poser ce rapport de force à l'intérieur de l'Union européenne, on a beaucoup parlé du libre-échange, de la question du commerce international, c'est aujourd'hui à cette échelle-là que les choses se posent, et en installant le rapport de force à l'intérieur de l'Union européenne, peut-être demain aussi faire de l'Union européenne l'outil d'un rapport de force mondial, parce que, quoi qu'on en pense, on va dire l'espace européen a quand même, pendant un certain temps, posé des règles de vie communes, des normes communes, qui font des sociétés européennes des sociétés plutôt avancées en termes de progrès humain par rapport au reste du monde. Simplement, la dynamique néolibérale aujourd'hui vient petit à petit saper, détruire ces avancées-là, et peut-être que renouer avec une promesse européenne de progrès humain, c'est après tout quelque chose que l'on doit porter sur la base du consensus qu'on pourra créer au niveau national. Et moi, j'étais très sensible à ce qui a été dit sur le fait que, évidemment, crise sociale, crise écologique, c'est des constats qu'on dresse. On voit aussi effectivement que l'accompagnement qui a été la posture d'une partie de la gauche pendant des décennies pour dire on va modérer, on va tempérer l'impact de la mondialisation, on va accompagner pour rendre les choses plus vivables, aujourd'hui ça n'est plus une logique acceptable, et que c'est bien là justement tout l'objet de la bifurcation, mais qu'au-delà de l'aspect social et de l'aspect écologique, on a aussi un problème, une crise profonde qui est une crise existentielle, oui, une crise morale. Je rejoins complètement ce constat qui a été dressé par François Ruffin, Emmanuel et Aurélie Filippetti. Hein.
Mais le problème, c'est qu'on est face aujourd'hui à une accélération de la destruction néolibérale et que cette crise sanitaire le fait éclater en plein jour. Moi, j'étais très frappée de la violence des arbitrages qui ont été pris là sur ce second confinement où on explique que vous pouvez vous mettre en danger personnellement pour faire tourner une partie des entreprises, celles qui sont celles de, on va dire, d'une économie qui serait productive et plutôt dans la main des grands intérêts financiers, mais que l'économie de proximité. L'économie de la culture, l'économie des loisirs, ce qui fait du lien social, ce qui fait aussi notre humanité, eh bien, est complètement sacrifié pour permettre justement une vision purement, on va dire, dans une perspective uniquement économique qui vide complètement de sens nos existences. Et je pense que cette violence-là, elle commence à être perçue de plus en plus fortement et qu'elle accentue le désarroi des citoyens. Et je rejoins aussi là ce que disait Emmanuel, on a un vrai travail de refondation, de désintoxication idéologique pour sortir de cette perspective purement économique et expliquer peut-être que le sens de l'existence, il se joue ailleurs. Simplement, il ne faudra pas qu'on oublie de le faire avec une certaine humilité, parce qu'aujourd'hui, la demande citoyenne, elle est aussi d'une reprise en main directe de leur destin et du destin de chacun, et qu'on ne sera plus non plus dans une logique où ce sont les partis en surplomb qui viendront imposer une idée, un destin, une vision ou un modèle de société. Oui. Alors, toute cette crise existentielle, hein, c'est la prise en compte de l'humain, bien entendu, se rendre compte que non, nous ne sommes pas des robots, que ce n'est pas travail, boulot, dodo et une plateforme Amazon qui va faire de nous des gens heureux. Justement, Vincent Boulet, au PGE, vous portez un modèle européen alternatif. Comment vous voyez cette bifurcation, pour rebondir à ce qui a été dit ? Oui, bonjour, merci de me donner l'occasion d'intervenir au nom du Parti de la gauche européenne. Je suis également membre du Parti communiste français, qui est un des membres fondateurs du Parti de la gauche européenne. Je crois effectivement, pour rejoindre ce qui a été dit précédemment, qu'on est face à une crise de civilisation qui est multidimensionnelle. Et l'enjeu pour la gauche européenne, c'est de savoir comment répondre à cette crise de civilisation avec plusieurs questions fondamentales pour elle, qui sont d'une part comment retrouver le chemin du peuple, comment articuler l'urgence sociale, l'urgence écologique et la question de la souveraineté démocratique des peuples et des nations, autour de quelle formule politique et sur quelle base sociale, quelle base de classe, quelle alliance de classe qui inclut le salariat, les travailleurs indépendants, précaires, voire même des secteurs du petit patronat qui peut être sensible à la question de la reconstruction du capital productif. Donc, je pense que de ce point de vue-là, pour se poser de la question effectivement de la rupture, il faut articuler plusieurs batailles qui sont centrales. Je vais en présenter très rapidement trois qui me semblent très importantes et qui sont toutes trois liées par la question justement de la souveraineté démocratique des peuples et des nations qui les sous-tend. Et ces trois batailles permettent de redonner à la question de la souveraineté un véritable contenu transformateur qui soit économique, social, politique et écologique. La première bataille, c'est la bataille de classe, parce que les bourgeoisies européennes ne vont pas abandonner si facilement le capital qu'elles ont concentré, accumulé, grâce aux politiques menées par les gouvernements successifs européens. Elles vont essayer de sortir de cette crise en faisant payer la crise au peuple. Mais quelque chose a changé cependant, et François Ruffin le disait, c'est que les populations ont fait l'expérience qu'une nation n'existait pas sans le monde du travail qui est majoritaire parmi les actifs, alors qu'en haut lieu, dans les bourgeoisies, dans les classes dirigeantes, on a cessé de vouloir le rendre invisible. Et donc, c'est la question de la base sociale d'un projet de rupture. La question, c'est bien d'une alliance, de la formation d'un bloc de classe et de couches qui ont pour intérêt la rupture avec le capitalisme. Et la force propulsive de ce bloc, c'est la classe des travailleurs, le salariat qui est majoritaire parmi les actifs dans les pays européens. La seconde bataille, c'est, je dirais, la bataille de la déglobalisation. Je ne parlerai pas de démondialisation, parce que pour nous, c'est une notion vague qui pourrait paraître englober le mouvement historique d'interpénétration des économies, de recherche d'une communauté de destin et entre les habitants de la planète et d'échanges culturels. Je vise ici la mondialisation capitaliste, c'est-à-dire la globalisation, c'est-à-dire le fait de réduire les habitants de la planète à un marché tout puissant et qui fait des États les outils de ce marché. Pour ça, il faut que les nations recouvrent leur souveraineté démocratique. Et cette souveraineté démocratique n'est pas
un repli nationaliste. Parce que la question qui est aujourd'hui posée par la crise de la mondialisation capitaliste, c'est de faire émerger un autre ordre du monde fondé sur des coopérations entre nations souveraines et interdépendantes. Alors, ça peut se traduire concrètement par différents biais, sur la question de la sécurisation de tous les moments de la vie des individus, sur la question de la reconstruction et de la démocratisation des services publics pour répondre aux besoins essentiels des citoyens, de s'approprier les secteurs stratégiques de l'économie, de prendre le pouvoir sur les banques et sur l'utilisation de l'argent. On pourra éventuellement peut-être parler tout à l'heure de ce qu'est en train de faire la BCE pour réorienter cet argent en direction d'investissements sociaux et environnementaux et de relocaliser les productions et d'opérer une véritable reconquête industrielle qui trouve une dynamique nouvelle dans la conversion écologique de l'appareil productif. Et ces batailles, c'est une condition pour mettre en place des coopérations solidaires en Europe, tenant compte de l'interdépendance des nations tout en étant respectueux de leur souveraineté. Et la troisième bataille, je dirais pour terminer là, c'est la bataille démocratique. Évidemment, d'autres l'ont dit avant moi, la démocratie politique, la question de la délibération, mais aussi la démocratie dans le secteur économique et social qui mobilise la société, qui réoriente l'industrie et les filières en fonction des besoins pour un grand mouvement, je dirais, de planification de la production qui intervienne sur le pouvoir des banques et qui fasse au quotidien appel à l'expertise des travailleurs. Et je pense que c'est en mobilisant, en articulant ces trois batailles majeures qu'on pourra effectivement tourner la page de l'européisme libéral, tourner la page des traités et des règles budgétaires européennes pour de nouvelles coopérations entre les peuples et les nations d'Europe. Nous, on parle par exemple, pour en terminer là, d'Europe à géométrie choisie, qui n'est pas l'Europe à géométrie variable des libéraux qui ferait de l'Europe une espèce de vaste rayon du libéralisme dans lequel les différents États picoreraient, mais d'Europe à géométrie choisie, c'est-à-dire qu'aucune règle européenne, aucun traité européen ne peut imposer au peuple un modèle économique prédéterminé. La parole. Merci Vincent. Alors justement, cette crise existentielle, Emmanuel en parlait tout à l'heure, mais comment faire en sorte qu'elle réponde à la question de remplir le frigo, la fin du mois, fin du monde, même combat, et comment on bifurque ? Est-ce que l'Europe finalement peut être un cadre encore pertinent ? Ou est-ce que c'est totalement à revoir quand on voit la façon dont les lobbies font la loi en Europe ? Je parlais tout à l'heure de la commissaire à la santé, hein, qui était en lien avec Gilead de manière mensuelle quasiment, hein, pour acheter du remdesivir avant que l'OMS donne son avis sur ce médicament inutile. Comment on fait pour rendre l'Europe écologique, démocratique, que les nations soient souveraines et éviter de se faire bouffer par l'empire chinois d'un côté et puis par l'empire des GAFAM US de l'autre côté, Emmanuel ? Alors, s'il y a bien un niveau où là, ce n'est pas une bifurcation qu'il faut, c'est une révolution, c'est l'Europe. Hein. Parce que, alors Virginie a raison, l'Europe n'est pas responsable de toutes les décisions. Et en effet, ce n'est pas l'Europe qui demande à l'État français de brader scandaleusement Alstom aux Américains, c'est vrai. Ce n'est pas l'Europe qui demande à M. Macron de faire un projet de loi sur la sécurité globale tel qu'il est en train d'être discuté à l'Assemblée nationale, c'est vrai. Et c'est vrai aussi que la France, les dirigeants français font preuve d'un défaitisme, d'une résignation. C'était particulièrement spectaculaire quand François Hollande est devenu président de la République. C'est-à-dire qu'il avait été élu sur la renégociation du traité budgétaire et avant même d'entamer le rapport de force, il avait déjà enterré cette proposition. Donc, Virginie a raison, c'est pas la source de toutes les décisions. Mais enfin, quand même, c'est un cadre très contraignant. D'abord parce que à 27 pays, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de souveraineté européenne. Hein. Il y a des souverainetés nationales, il y a des intérêts, et parfois les intérêts ils divergent et ils s'affrontent. Ça c'est la première chose. Il faut avoir le courage de le dire parce que parfois il y a dans le discours pro-européen des gens qui font comme si ça n'existait pas. Bah, l'Europe c'est aussi un lieu de rapport de force entre des intérêts nationaux. Mais surtout le cadre contraignant il est dans les textes. Que l'Union européenne est censée faire respecter. Parce que quand même, les traités européens, ils intronisent une sorte de sainte trinité hein, qui est fondée sur la concurrence libre et non faussée, la liberté de circulation du capital et le libre-échange généralisé. Et c'est très difficile d'en sortir. Regardez,
Pour moi, l'Europe, le plus important et le plus décisif, c'est la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Bah, regardez ça, c'est-à-dire le droit à l'appui du marché. Et ça, pour le coup, c'est très compliqué de sortir de ce carcan insupportable. Donc, il va falloir, de toute façon, il faut désobéir. Avant même d'imaginer, ça, je suis d'accord avec l'idée de géométrie choisie, mais avant même d'en aller à ça, il va falloir désobéir sur un certain nombre de choses. Désobéir sur les aides d'État, c'est pas normal que, surtout en période de crise, alors là, ça s'est un petit peu relâché au moment de la pandémie, mais certains de mes collègues libéraux, et même centre-gauche, recommence à dire qu'il faut faire très attention sur la concurrence libre et non faussée, sur les aides d'État. Vous avez même vu peut-être que cette semaine, la Commission a rappelé à l'ordre de la France en disant « Attention, vos dépenses Covid, elles sont en train de déraper et vous devez respecter une certaine trajectoire budgétaire ». C'est de ça dont on parle, c'est des fanatiques. C'est très difficile de discuter avec des fanatiques parce qu'ils ont des dogmes. Et quelle que soit la situation, ils ne peuvent pas en sortir. C'est la même chose sur le libre-échange, parce que quand même, pendant la crise, tout le monde a dit « Oh là là, il va falloir relocaliser, il faut sortir de cette dépendance insupportable par rapport aux pays d'Asie ». Mais en même temps, la Commission, elle continue son activisme en matière de négociations commerciales. Au moment où on se parle, il y a 7, 8, 9 traités de libre-échange qui sont en train d'être négociés, certains très importants, hein, sur l'énergie, par exemple. Ça ne se sait pas parce que les médias n'en parlent pas suffisamment, mais on est en train, là, l'Union européenne est en train de négocier un accord de libéralisation de l'énergie au niveau mondial. Enfin, c'est quand même quelque chose de sérieux. Donc oui, bien sûr, c'est ça qui est affreux et dommage. C'est que l'Union européenne, c'est une idée sublime. Moi, je trouve ça sublime, la coopération entre les nations. On est sur un continent qui a une histoire commune, même si elle est tumultueuse, hein, même si elle est compliquée. On a un certain nombre de valeurs en commun. Mais en même temps, ce qu'on en a fait, je parle de l'Union européenne comme outil politique, comme instrument politique, ça va tellement, ça se construit au mieux à côté des peuples, au pire, contre les peuples. Et de ce point de vue-là, le référendum de 2005 en a été, et même ce qui s'est passé en Grèce, qui était une sorte de tragédie absolue, hein, ça a été quand même vraiment le symbole de ça. Donc, il va falloir... Alors, je finis sur votre question. Si on veut... alors, il y a des domaines dans lesquels, en effet, l'Europe est le cadre pertinent. On parle de la toute-puissance des GAFAM. C'est au niveau européen qu'on peut lutter. C'est au niveau européen qu'on peut instaurer une taxe. C'est au niveau européen qu'on peut décider de démanteler. D'ailleurs, il y a aujourd'hui un débat très fort au Parlement et au sein de la Commission sur comment on fait pour démanteler les GAFAM. Je rappelle quand même que la Chambre des représentants américains, ils sont en train de l'étudier au moment où on se parle. Alors, est-ce que ça sera un démantèlement fonctionnel ou territorial? Ils en discutent. Donc, on ne peut pas, nous, être plus timorés que les Américains sur Facebook, sur Google, sur Amazon. Donc, sur les questions numériques, je pense qu'en effet, l'Europe, c'est le niveau pertinent. Après, il y a aussi des choses qu'on peut et qu'on doit faire au niveau national. La politique industrielle... Qui est vraiment un impensé aujourd'hui en France, alors même qu'elle est absolument décisive. Ça, cette planification-là, on peut le faire au niveau national et on peut le faire maintenant. Or, aujourd'hui, on a des dirigeants et une élite technico-administrative qui n'est vraiment pas à la hauteur de l'enjeu. Voilà, donc il y a ces deux niveaux de débat, mais quand même, sur l'Europe, je le répète, hein, c'est pas de la bifurcation, c'est de la révolution. Et la révolution, en prenant l'appui sur un certain nombre de mouvements populaires qui à la fois expriment une exaspération, mais aussi l'espoir d'un autre chemin. Je vais justement, là, sur cette question européenne, elle est extrêmement importante, notamment alors, sur les élites françaises, c'était plutôt qu'un impensé, c'est une politique de désindustrialisation qui a été choisie, hein, de faire de la France une plateforme de services pendant des années, en disant que finalement l'industrie ça sert à rien, et ce qui fait que les Allemands sont les grands gagnants parce qu'eux ont une politique industrielle et ils ont droit à un plan de relance beaucoup plus large encore que les nôtres. Je voudrais, justement, on parlait de la Grèce, j'avais en tête, suite à la dette monstrueuse qui va être créée, hein, pour le Covid, dette de relance, mais dette néanmoins tenue par des fanatiques. Est-ce que là, on n'a pas un problème où on va créer une nouvelle Grèce, et ça pourrait être la France, potentiellement, vu que l'Europe, Bruxelles continue de pointer Paris du doigt. Est-ce que là, on va
pouvoir sortir de ce cadre, être intelligent avec cette dette et éviter un nouveau sacrifice d'un pays européen. Et là, je me tourne vers Anne-Laure Kiechel, qui a conseillé un des membres de Syriza, qui était un parti grec pendant des années, qui a tenu l'espoir et essayé de faire autre chose, et qui finalement a été obligé de faire la politique de la Troïka. Est-ce qu'on va pouvoir lutter contre les troïkas à venir qui sont déjà en préparation? Alors, le sujet grec mériterait en lui une réponse longue, mais pour répondre à la question des possibles troïkas et des dogmes, il est évident que les chiffres dans lesquels on peut s'enfermer sont les mauvais chiffres. Évidemment, 3%, ça n'a aucun sens. Il y a déjà beaucoup de gens qui l'ont dit, mais quand on le disait il y a quelques années, on passait pour des fous furieux. Maintenant, ça semble une évidence. Il est évident qu'un État qui fonctionnerait juste sur le fonctionnement de l'État avec du 3% est un État extrêmement mal géré. Il est évident qu'un État qui investit et qui se limite à 3% quand il doit faire une transition économique, c'est un État qui ne sait pas investir, donc c'est un État qui ne prépare pas l'avenir. Donc on a fonctionné et on fonctionne avec des ratios qui n'ont aucun sens. Et c'est pour ça que je veux rebondir aussi sur la question que vous posez sur la dette et sur les quantités de dette. En fait, trop souvent, on se focalise sur des théories qui diraient que au-delà de tel niveau de dette sur PIB, c'est très mauvais, c'est très dangereux. Alors déjà, le PIB ne veut rien dire et hautement critiquable. Et donc évidemment, un ratio qui implique le PIB est évidemment éminemment critiquable. Et vous vous souvenez que, et c'est aussi un des arguments qui avait beaucoup été utilisé contre la Grèce, certains éminents économistes avaient dit que 90% était le chiffre magique et que soi-disant au-dessus de 90% de dette sur PIB, on entrait en récession. Donc je passe l'histoire qu'on connaît tous, que cette étude avait des erreurs dans les fichiers Excel même, donc factuels, et en plus avait des biais. Et que maintenant, quand les mêmes économistes vous leur posez la question de quel serait le bon niveau, ben certains vous expliquent que c'est 200% pour la France. Bon, donc on voit bien que c'est n'importe quoi si on se met juste sur des chiffres. Donc tout ça pour dire que ce qui est important, c'est beaucoup plus l'usage de la dette que la dette en elle-même. Si vous utilisez de la dette à des dépenses qui ne sont pas profitables dans le sens bénéfique pour le plus grand nombre, vous n'allez arriver à absolument rien parce que cette dette va s'accumuler. Que cette dette s'accumulera sans que qui que ce soit en démocratie ait pu ou ait eu le droit au chapitre là-dessus. Et après, on arrivera quelques années plus tard en vous disant bah, « désolé, austérité ». Austérité, ça veut dire quoi? Ça veut dire on augmente les impôts, on coupe les dépenses, et ça veut dire moins de social, moins d'hôpital, moins d'éducation, etc. Donc, donc le choix de la dette est plus important que n'importe quoi. Sur la dette telle qu'elle est faite, la dette Covid, est-ce que les choix qui sont faits sont les bons ou est-ce que déjà là, on prépare une crise encore plus grande que celle qui va venir des faillites des petits commerces? Alors là, il faut distinguer plusieurs périodes. Lors de la période que j'appellerais le premier confinement français, qui est un peu le premier confinement européen, très franchement, là, tout le monde a à peu près fait les bons choix. On pourrait critiquer à la marge, mais c'était relativement bien. Et là-dessus, les 10% de dette sur PIB, si on veut garder cet indice qu'on prend à ce moment-là, sont tout à fait ce qu'il fallait face à un choc. Là, il n'y a rien à dire. Le sujet, c'est après. Parce que quand on voit qu'on a un choc comme ça, il faut tout de suite se dire, attention, il y a le court terme, le moyen terme, le long terme. Donc, le court terme, OK. Mais qu'est-ce qu'on fait après dans le moyen terme et dans le long terme? Et donc, il faut tout de suite se poser cette question de projet de société, de où on veut aller, pour justement bien garder nos ressources pour financer le où on veut aller. Et en effet, à partir du moment où on a passé le premier confinement, il y a beaucoup de décisions qui sont éminemment critiquables. On parle de France-Allemagne, on voit bien que côté allemand, ils ont mis dans leur plan de relance une très très grande partie sur la relance de la consommation. Donc sur quelque chose qui était un choix de politique public complètement différent de ce que nous on a pu faire. Donc ça, on peut s'interroger sur pourquoi on ne l'a pas fait pour une mesure immédiate. Et je pense qu'on aurait dû le faire. Il y a aussi des divergences en termes d'écologie et d'économie verte, où l'Allemagne a aussi mis plus en avant certaines choses que d'autres, mis en avant aussi plus de technologies que nous. Bon, ça, c'est après des choix qui sont liés aux choix de société plus tard. Mais oui, bien sûr qu'il y a eu des choix et qu'il y a déjà des choix maintenant qui sont faits après le premier confinement, qui nous engagent, qui sont de nouveau
10 et qui vont s'accumuler 15, peut-être 20% de dette sur PIB en plus, où là, il y a clairement des vrais sujets et des vrais enjeux sur la dépense et la manière dont les choses sont faites. Et on peut tout à fait trouver que ces dépenses ne sont pas productives. Et on peut tout à fait s'interroger sur le fait, enfin sur les choix qui ont été faits entre petits commerces, grande consommation, mais même sur le fait de fermer des petits commerces et sur la non-productivité totale que consiste à faire fermer des gens, à leur donner des aides qui en plus ne les aident en fait pas du tout parce qu'ils risquent de fermer après derrière. Et évidemment, tout ce qui est en train de se préparer en termes de faillite potentielle et le vrai risque de la dette, qui est aussi pas seulement celui de la dette publique qu'on a en abondance actuellement, mais de la dette privée qui est beaucoup plus importante et dont on sait qu'elle-même peut après amener des sujets sur les banques. Et là, on est reparti pour un tour avec ce qu'on avait connu et compris de la crise de 2008. En 2008, oui, c'est bien ça, la faillite systémique qui est loin, enfin pas très loin, qui est à l'horizon, parce qu'on parle d'économies zombies en fait, hein, d'entreprises qui sont soutenues pour éviter la faillite immédiate de tout un système, mais la faillite est inévitable. Virginie Rosière, comment vous voyez-vous cette gestion française de la relance? Est-ce que la crise économique telle que nous la vivons, nous allons la vivre, elle pourrait être évitable? Est-ce qu'on pourrait la gérer autrement si on avait une autre façon de faire, un autre gouvernement évidemment que celui d'Emmanuel Macron aujourd'hui? Je pense qu'Anne-Laure Clichel a été très, très claire là-dessus. Effectivement, on est face à des choix qui sont hautement discutables, surtout dans cette deuxième phase où on est sur une... c'était François Ruffin qui parlait des termes de l'adversaire en parlant de la baisse des impôts de production, mais où en fait on est sur un accroissement des marges des grands groupes. En fait, hein. On a une vraie dichotomie au niveau économique où on sacrifie l'économie de proximité et par contre on subventionne massivement des grands groupes qui n'en ont pas nécessairement besoin. On voit qu'on a une très très grande polarisation en fait dans l'impact économique de la crise sur les entreprises, avec une majorité d'entreprises qui se retrouvent avec une baisse de chiffre d'affaires qui va de très importante à modérée, et puis un dixième à peu près des entreprises qui voient leur chiffre d'affaires exploser, augmenter de 60%. Et on peut se dire qu'avec la baisse indifférenciée des impôts qui pèsent sur les entreprises, on subventionne aussi un grand nombre d'acteurs économiques qui n'auraient pas à l'être, avec la question de la conditionnalité qui vient. Quand on parle de bifurcation, on l'a effleuré, mais on a aussi justement la question d'une réorientation de notre économie dans le sens d'une économie qui prendrait en compte la dimension du bilan carbone, la dimension écologique, la dimension aussi de la prise en compte du commun que sont nos ressources écologiques, et l'absence totale de conditionnalité sur l'emploi, sur l'impact écologique environnemental. Ça montre bien qu'on a un impensé total sur l'après-crise et qu'au contraire, cette crise est uniquement perçue comme le moyen, on va dire, de poursuivre un agenda néolibéral et d'en faire un accélérateur. Et c'est vrai qu'on a une accélération, je trouve, qui est palpable. Aujourd'hui, les citoyens, les salariés, les travailleurs sont pris en fait dans une ambivalence où d'un côté, il y a la peur de perdre son emploi, la peur de perdre ses revenus, la peur de voir ses conditions de vie se dégrader. Le mouvement des Gilets jaunes a été très fortement nourri par ça, et cette crise accélère cette angoisse qui était déjà là, qui est l'angoisse du déclassement pour toute une partie de la population. Alors j'entends la question de la base sociale, la question de comment vont se positionner face à la perspective d'un changement les classes moyennes supérieures, mais aujourd'hui on voit qu'on a en fait une courbe qui se creuse avec une paupérisation, une angoisse de la paupérisation qui gagne des classes modestes aux classes moyennes, aux classes moyennes supérieures. Et aujourd'hui, l'angoisse du lendemain, elle concerne de plus en plus une base de plus en plus large des individus. Cette peur, aujourd'hui, elle est utilisée pour paralyser le mouvement social, pour avec l'individualisation, la fragmentation, empêcher l'émergence de dynamiques collectives. Et pourtant, on voit que ces dynamiques, elles émergent. Simplement, elle se confronte à un pouvoir politique qui aujourd'hui non seulement est sourd, mais en plus c'est d'une extrême violence. J'ai parlé de la violence des mesures du confinement, mais on a aussi une violence dans le discours politique qui reprend la domination intellectuelle des idées néolibérales où tout est asséné comme une vérité, comme émanant de la raison, et toute opinion divergente, toute opinion différente est totalement disqualifiée, soit par l'irrationalité, soit par la malhonnêteté. Mais c'est
on va dire que les masques tombent aujourd'hui, on arrive au bout de cette rhétorique-là, avec un gouvernement qui ment ouvertement. Ça a été vrai, particulièrement prégnant, c'est pas le seul sujet, mais ça a été vrai sur la question des masques, par exemple. Et donc, opposer cet argument d'autorité, qui, sur la défense d'une vision néolibérale, sur une défense de la mondialisation, atteint ses limites. On n'est plus effectivement dans le fait de susciter l'adhésion, mais bien dans le fait de disqualifier toute pensée autre, et avec une accélération encore, qui est celle de l'atteinte aux libertés, maintenant que l'adhésion ne prend plus, maintenant que les masques tombent et que le mensonge devient apparent, qu'est-ce qu'il reste au pouvoir en place ? Une approche sécuritaire, liberticide, qui se manifeste de manière extrêmement inquiétante. Et donc tout le défi qui sera le nôtre, c'est de proposer cette vision alternative. On va hériter d'une dette effectivement mal utilisée, et donc la question des moyens et des ressources sera prégnante, mais à mon sens, la question justement de l'adhésion et de l'émergence d'un projet alternatif, elle est au moins aussi importante, parce qu'on est dans un état de profonde dépression citoyenne, et la revitalisation d'un idéal citoyen, c'est, je pense, une nécessité absolue dans la période actuelle. Ouais. Tout à fait. Alors, il y a bien sûr la volonté de porter un projet alternatif. Et puis après, il y a la pratique du pouvoir. Et là, je voudrais me tourner vers Aurélie Filippetti, qui a été ministre. Est-ce qu'à un moment, cette pratique-là, elle ne se heurte pas à la réalité des marchés financiers internationaux, soit Mitterrand qui en parlait, Chirac aussi, mais François Hollande, hein, mon ennemi, c'est la finance. Et puis après, la finance fait la loi. Est-ce qu'être élu, être aux responsabilités aujourd'hui, c'est encore avoir du pouvoir, ou est-ce que c'est simplement faire de la communication politique ? C'est les deux. Non, c'est de toute façon faire de la communication politique, mais ça a toujours été. Simplement, aujourd'hui, il y a la question des réseaux sociaux et de l'omniprésence qu'il faut avoir sur les réseaux sociaux si on veut pouvoir avoir un impact politique. On l'a vu avec le cas extrême d'un président des États-Unis gouvernant par Twitter, ce qui est une catastrophe, qui est un abaissement évidemment de la fonction politique, mais qui malheureusement crée un lourd précédent et qui effectivement oblige aujourd'hui les dirigeants à être extrêmement attentifs, vigilants et présents sur les réseaux. C'est-à-dire qu'on le voit, il n'y a plus encore à l'époque où moi je suis devenue ministre il y a 8 ans, il y avait encore une forme de naïveté où on pouvait encore avoir un usage, je dirais, presque spontané comme ça des réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est terminé. Les forces en présence sont tellement importantes dans tous les sens. Hein, les trolls, aussi bien les trolls d'extrême droite, les trolls qui cherchent à évidemment influencer le résultat des élections. Tout ça, ça existe, et malheureusement, ça a un effet délétère sur la démocratie. Ensuite, dans la manière dont on peut se sentir entravé quand on est au pouvoir, il y a des éléments qui viennent, effectivement, alors ça peut être les lobbies, ça peut être parfois la technocratie, parfois évidemment des dimensions européennes, ça j'y reviendrai parce que moi j'ai eu par exemple la question de l'exception culturelle en 2013, hein. Mais il ne faut pas oublier que la France est loin d'être exemplaire, c'est-à-dire que le principal obstacle à l'exercice réel du pouvoir politique en France, selon moi, c'est quand même une technocratie extrêmement homogène socialement, voire totalement consanguine, en fait, qui défend avant tout ses propres intérêts avant de défendre l'intérêt général. Et là, je pense qu'il y a eu vraiment un changement aussi. Alors bon, c'est évidemment la spécificité française d'avoir l'École nationale d'administration d'où sortent tous les hauts fonctionnaires, en fait. Ça n'existe pas ailleurs. Hein. Donc, et avec des grands corps qui ont un impact encore, mais démultiplié par rapport au reste. C'est-à-dire qu'au fond, pour moi, le problème n'est pas tant l'ENA que les grands corps, et à la fois cette consanguinité, et surtout au fait qu'ils se comportent comme des agences de placement et de défense des intérêts de leurs membres. Au fond, le premier des lobbies en France, ce sont les grands corps. Donc ça pose vraiment un... C'est les grands corps malades. Ils ne sont pas tellement malades, en tout cas, eux se portent bien. Ouais. Mais c'est une maladie. C'est la maladie du politique, ouais. Et voilà, qui a à traiter avec ça. Donc voilà, je pense que ça, il ne faut surtout pas faire abstraction de ça, parce qu'au fond,
on dit Bruxelles, l'Europe et tout, mais enfin, l'idéologie à l'œuvre, c'est la même idéologie, c'est-à-dire, au fond, défendre les intérêts privés, les intérêts personnels, les plans de carrière, au détriment de l'intérêt général. C'est fondamentalement ça le problème. Il y a aussi cette consanguinité avec les entreprises du secteur parapublic. Enfin bon, tout ça est très, 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 très néfaste pour l'exercice du pouvoir politique, la responsabilité du politique. Moi, à mon sens, la revitalisation, ça va être très difficile de la faire au niveau national. Je pense que la revitalisation de la vie politique, elle viendra des collectivités locales, elle vient déjà en fait des collectivités locales et de toutes les associations, les mouvements citoyens qui sont vraiment dans tous les territoires. Et autre spécificité française, l'hypercentralisation de nos pouvoirs, alors évidemment dans les mains du président de la République, de l'exécutif, et aussi à Paris, bien sûr. Donc, une absence totale de nouvelles vagues de décentralisation depuis un certain temps, malheureusement. Et donc ça, pour moi, c'est notre principal handicap. Quand on parle de politique industrielle, par exemple, en Allemagne, les Länder allemands investissent dans le capital d'entreprise, sans être forcément majoritaire, mais ils prennent des parts, ce qui leur donne voix au chapitre aussi, parce que le système de la gouvernance d'entreprise en Allemagne n'est pas le même qu'en France. Et au fond, cette centralisation très française, on la retrouve à tous les échelons. On la retrouve aussi dans la manière dont sont pilotées les entreprises, on la retrouve dans la manière dont sont négliger les corps sociaux. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est un énorme obstacle pour notre pays. Alors, juste un mot sur l'Europe. Évidemment, alors je suis très critique de la manière dont l'Europe fonctionne et j'aspire beaucoup à ce qu'elle fonctionne différemment et mieux. En 2013, j'ai eu à me heurter à une décision de la Commission européenne qui, au moment de la négociation du traité de libre-échange du TAFTA avec les États-Unis, avait décidé de remettre en cause l'exception culturelle, qui était donc un acquis européen depuis 1993, défendu à l'époque par François Mitterrand, en clair, ouais. Et Jacques Toubon, alors ministre de la Culture, et donc et qui avait très très bien fonctionné depuis. Il n'y avait aucune raison, enfin encore si ça ne marchait pas. Bon, mais ça avait très très bien marché et tout le monde en était très content. Donc on ne sait pas pourquoi, d'eux-mêmes, sans avoir de demande des Américains, ils avaient décidé de remettre ça sur la table. Bon, on a fait une énorme mobilisation, il y a eu 15 ministres de la culture, parfois contre leur propre gouvernement, il y a eu 6000 artistes, il y a eu des résolutions votées dans beaucoup de parlements, notamment au Parlement français, au Parlement européen, enfin à la fin, on a réussi à faire reculer le projet, enfin la Commission européenne là-dessus. Et quand même, je dois dire que depuis 2013, les choses ont changé parce qu'aujourd'hui, la nouvelle Commission européenne, franchement, Margrethe Vestager, elle a vraiment compris l'enjeu de retrouver de la souveraineté européenne face aux GAFAM. Donc ça, ce n'était pas du tout le cas à mon époque en 2013. La Commission était dans une logique à la fois ultra-libérale et en même temps de soumission totale aux GAFAM. On ne sait pas pourquoi, mais c'était comme ça. Là, franchement, Vestager a tenté d'initier une politique que je trouve, en tout cas, qui commence à aller dans le bon sens. Mais évidemment, ça ne suffit pas, parce que l'enjeu, vraiment, là, en ce moment, ce qui se passe dans le domaine culturel, c'est cette captation de la richesse qui est créée par l'ensemble des acteurs de la culture, etc., de tous les territoires, captation de cette richesse par les énormes entreprises oligopolistiques du numérique. Ouais, aujourd'hui, c'est clairement les plateformes qui sont les gagnantes, y compris avec la politique sanitaire mise en place. Alors, sur cette question antidémocratique de l'esprit de corps, la formation, je voulais revenir vers David Jess, qui est enseignant à Sciences Politiques. Hein, avant de faire l'ENA, souvent on fait Sciences Po. Est-ce qu'on a un problème en France de formation des élites, justement, qui, derrière, ont l'impression d'être au-dessus de la mêlée, d'être au-delà des contingences démocratiques? Et finalement, on le voit, dans l'exercice du pouvoir, on a affaire à des hauts fonctionnaires qui sont contre l'exercice politique du pouvoir et qui, eux, veulent tenir une ligne techno dont ils sont les garants. C'est une question compliquée. Je dirais qu'effectivement, on a une consanguinité très forte des élites en France.
mais qui n'est pas si différente de ce qu'on voit aux États-Unis ou au Royaume-Uni, par exemple. Quand vous regardez les présidents américains, vous voyez qu'ils sont tous passés soit par Harvard, soit par Princeton, soit par quelques facs de la Ivy League, et en particulier des écoles de gouvernement de la Ivy League, et que ces milieux sont extrêmement consanguins, et il y a les mêmes problèmes d'aller-retour entre la haute finance, la haute administration. Rappelez-vous, par exemple, les scandales qui avaient émaillé la fin du deuxième mandat de Bill Clinton, avec des gens qui étaient partis directement chez Goldman Sachs, alors qu'ils avaient contribué à déréguler la finance. Donc c'est un problème qui est collectif. Et je pense qu'effectivement, la consanguinité des élites est un réel problème. Sur la question spécifique de l'ENA, moi, je reste quand même attaché. Je rappelle quand même que l'ENA est une création du général de Gaulle et de Maurice Thorez, qui s'est faite en 1945 parce qu'il fallait reconstruire la France et donner à ce pays une fonction publique indépendante. Il faut savoir qu'avant la création de l'ENA, on recrutait de manière quasiment féodale, presque par copinage, les gens dans les différents corps de l'État. Il faut lire, par exemple, les mémoires de Paul Claudel, où il raconte ses entretiens de sélection au Quai d'Orsay, dans lesquels il dit qu'on lui faisait disposer une table de réception en lui demandant quel était le nombre de cuillères, de fourchettes et de couteaux qu'il fallait pour tel ou tel invité d'honneur qu'on recevait. Donc on ne pouvait pas dire que c'était vraiment un recrutement selon les compétences. L'ENA, l'idée, c'était vraiment d'avoir une école qui recrute des fonctionnaires interministériels et qui puissent en fait circuler d'une administration à l'autre et assurer la fluidité du travail gouvernemental et la reconstruction du pays. Maintenant, il y a eu énormément de dérives. Je pense que le pantouflage fait partie effectivement des problèmes considérables qui se posent en particulier pour certains hauts fonctionnaires. Mais je voudrais quand même dire une chose aussi, c'est que globalement, nous avons dans ce pays des fonctionnaires qui sont loyaux et qui sont dévoués au bien public. Et un des problèmes qui se pose aussi aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de politique de politique au sens des personnes, mais aussi au sens des actions, pour les diriger en quelque sorte. C'est-à-dire que les administrations gouvernent ou s'émancipent de la tutelle des ministres quand les ministres ne sont obnubilés que par leur plateau télé, leurs tweets, la communication. C'est en plus aggravé par une instabilité gouvernementale qui est devenue très très forte sous la Ve République, c'est-à-dire que les ministres restent un an ou deux en poste et souvent ils n'ont pas le temps d'imprimer une action ou un virage politique vraiment significatif sur leur administration et pour changer le pays. Mais d'une manière générale, je suis évidemment d'accord et je souscris avec l'idée qu'il faut ouvrir beaucoup plus largement les portes et les fenêtres et je pense que la question du recrutement est extrêmement importante, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, combien vous avez de fils d'ouvriers, par exemple, à l'ENA ou à Polytechnique ou dans toutes les grandes écoles? C'est la portion congrue, c'est 1, 2, 3%. Donc, c'est véritablement problématique parce qu'on attend aussi des élites, qu'elles soient, comme le suggère l'étymologie du terme élite, représentatives, qu'elles soient une sélection, en quelque sorte, de la diversité de la société et de la population française. Et il faut vraiment avoir une réflexion sur ce terrain-là. Je voudrais juste dire un tout petit mot sur l'Europe. Moi, je ne partage pas forcément le pessimisme qui a pu être exprimé. En tout cas, je fais profession d'optimisme au sens où on se définit et on se pose en s'opposant. Et nous sommes dans une configuration aujourd'hui où l'Europe est en quelque sorte prise en étau entre deux modèles impérialistes également antipathiques. D'un côté, un modèle déclinant qui est celui de l'hégémonie américaine qui a accouché d'une société extrêmement inégalitaire, d'une démocratie au bord du gouffre, d'une polarisation extrême, d'une dégradation de l'environnement totale. Et puis de l'autre, un modèle chinois qui, lui, est un peu différent, qui a décidé de mettre en quelque sorte toutes les ressources du capitalisme le plus productiviste et le plus agressif au service de la consolidation d'une dictature qui est en l'occurrence celle d'un parti unique qui étouffe en quelque sorte la société. Et ces deux modèles, il est probable qu'ils se livrent une guerre froide à mort en quelque sorte dans les années qui viennent. Et il y a donc là pour l'Europe une ligne de crête pour sortir justement de l'Europe marché dont parlait Emmanuel tout à l'heure, une Europe entièrement régie par des règles, par des disciplines néolibérales, et pour devenir véritablement une Europe puissance publique dont la vocation finalement n'est pas de mettre des règles ou des disciplines, mais plutôt de produire des biens publics et de consolider un modèle politique. Et ce modèle politique, finalement,
c'est, qu'on le veuille ou non, l'attachement à la démocratie, à la démocratie sociale et puis à la transition écologique. C'est ça qu'on doit construire en Europe. Mais je crois que ce modèle n'a de chance d'être viable et d'être mis en place que si l'Europe s'appuie sur des nations démocratiques fortes, parce que justement, ce qui fait la différence entre l'Europe et les deux impérialismes agressifs dont je parlais à l'instant, c'est que l'Europe, elle est attachée aux États-nations, elle est en fait une alliance d'États-nations, et elle n'est pas un impérialisme. Elle s'est désimpérialisée en quelque sorte, même si elle est le continent où on a inventé l'impérialisme, elle s'est désimpérialisée, et c'est peut-être notre chance pour le XXIe siècle. Mais il ne faut pas opposer l'Europe et les nations, parce que l'Europe, qui est une idée magnifique, je souscris à ce que disait Emmanuel, ne pourra être forte et inventée à nouveau frais que si elle s'appuie sur les nations qui la composent. Alors, il y a, Anne-Laure voulait rebondir sur cette question européenne et plus large, mais je passe la parole à Anne-Laure. Oui, c'était juste pour dire deux choses à garder en tête. Quand on regarde les poids économiques, parce qu'en effet, il est tout à fait juste de dire Amérique d'un côté, enfin on fait un raccourci en faisant ça, mais quand même en grands empires, Amérique d'un côté, Chine de l'autre et Europe, il faut vraiment qu'on ait en tête le fait que les États-Unis déclinent, mais déclinent un peu moins fort, vont terminer par être quelque part, aller représenter un poids dans l'économie mondiale de 18%. Que l'Europe décline de manière très forte, et ça c'est quasiment du jamais vu dans l'histoire économique, et qu'on se rapproche plutôt d'un poids économique de l'ordre de 12-13%, donc, alors qu'on était quasiment talonné, on était en dessous, mais on était proche des États-Unis, alors que la Chine a une puissance économique qui monte à 20%. Donc ça, c'est des choses dont il faut tenir compte dans la manière dont on analyse les choses. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'espoir, ça ne veut pas dire au contraire, mais ça veut dire qu'il faut être conscient de ça, qu'il faut le prendre comme une donnée, et que justement, on va pouvoir, il faut pouvoir insuffler autre chose. Et enfin, pardon. Non, mais dans ce déclinisme réel des chiffres, il y a aussi toute une sphère populiste qui va surfer sur ces termes-là, avec les grands remplacistes, hein, les Zemmour et autres, qui parlent de lutte civilisationnelle, du fait qu'on est en train de perdre parce qu'on ne défend pas les valeurs, etc. Il y a un vrai risque, là aussi, de voir grandir ce discours politique-là, qui, finalement, ne souhaite pas d'une Europe du tout, sauf sur ces valeurs-là, sauf sur le protectionnisme des frontières, mais qui ne résout aucun problème. C'est parce qu'on n'a pas quelque chose d'abouti. Il faut au bout d'un moment aussi avoir le courage de le dire. Vous voyez qu'il y a cette crise, qui est cette crise qu'on connaît. Quelle est la seule chose qui a vraiment fonctionné en Europe ? La BCE ? Et pourquoi c'est la seule chose qui a à peu près fonctionné en donnant les aides ? Parce que c'est la seule entité européenne qui soit à peu près aboutie. Ce qui ne veut pas dire que l'euro est une bonne monnaie, mais c'est la seule construction européenne à peu près aboutie. Le reste sont des constructions européennes non abouties, non cohérentes. Ce n'est pas parce que vous avez des émissions, et tant mieux qu'il y ait eu des émissions en commun, mais vous n'avez pas de vrai budget commun, dans le sens où vous n'avez pas de construction budgétaire commune. Donc en fait, vous avez un canard boiteux économique qui ne peut de facto pas fonctionner. Donc il est normal qu'on se retrouve dans une fragilité, et donc il faut juste en être conscient pour construire quelque chose qui peut être beaucoup plus fort. Mais ne pas voir ça, c'est de faire une erreur à la base, et c'est ne pas traiter les problèmes tels qu'ils soient. Parce que il y a des économistes des États-Unis, par exemple Stéphanie Kelton, qui le dit très justement. Elle dit pour l'Italie et pour la Grèce, l'euro est une monnaie étrangère. Mais c'est tout à fait vrai. Donc on a construit quelque chose qui est très déséquilibré. Il faut, c'est pas grave, enfin, il ne s'agit pas de se flageller par rapport à ça. Et oui, l'Europe est une idée absolument magnifique, mais il faut juste savoir ce qu'on a mal construit et le réparer ou le reconstruire et justement aller de l'avant, mais en reconnaissant qu'il y a des fautes de raisonnement dans la construction initiale, sinon on n'y arrivera jamais. Ouais. Alors Virginie Rosière voulait rebondir. Oui, moi je voulais revenir brièvement sur quelque chose que je trouve un petit peu dangereux dans le discours, qui voudrait exonérer les politiques de certains nombres de faillites, par exemple dans la politique industrielle, en faisant peser l'entière responsabilité sur la haute fonction publique. Ce qui reste de la haute fonction publique, c'est aussi le produit de décisions politiques, est un discours politique constant depuis des décennies, qui disqualifie l'action publique
et qui enlève toute perspective et toute légitimité à une fonction publique qui serait justement peut-être planificatrice, porteuse d'un projet industriel, ce qu'a été le rôle de la haute fonction publique et des grands corps dans toute la période des Trente Glorieuses. L'industrialisation et le développement des services publics en France a aussi été porté par cette même administration qui avait les mêmes sources et possiblement qui pouvait s'exposer aux mêmes critiques. Donc voilà, je ne voudrais pas qu'on exonère totalement le politique de sa responsabilité. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'effectivement, dans la fonction publique, on promeut la perspective qu'on valorise pour les agents publics et les hauts fonctionnaires, c'est de pantoufler. On va valoriser beaucoup plus une perspective d'évolution dans le privé qui est parée de toutes les vertus et au contraire, un investissement au sein de la fonction publique dans une perspective d'intérêt général et d'action publique est très dévalorisé. Et dans ces conditions-là, malheureusement, on ne promeut que les plus arriéristes ou les plus soucieux de la conformité à ce modèle, et on disqualifie ceux qui seraient porteurs possiblement d'une autre vision. Donc voilà, il y a une vraie dimension politique aussi dans ce qu'on fait de cet outil qui est la fonction publique. Alors, et la place et le rôle qu'on lui laisse jouer, c'est aussi peut-être celui qui signe la faillite ou la démission du politique. Une certaine façon, et c'est là que je vais passer la parole à Vincent Boulet du PGE, une certaine vision de classe aussi de la construction européenne. Finalement, on a vu que c'était une caste qui a pris le pouvoir, la haute administration, et qui a fait finalement ce bloc bourgeois, ou du moins le parti de l'ordre, qui fait qu'aujourd'hui on a une Europe empreinte d'idéologie néolibérale parce qu'on n'a pas eu de diversité idéologique au sein des pères fondateurs et puis après de ceux qui ont fait cette construction européenne. Vincent, vous en pensez quoi ? Oui, alors il y a effectivement la question de la technocratie libérale, il y a plus largement la question globale des rapports de force entre les classes, parce que effectivement l'Union, on a affaire à un type de construction qu'on peut qualifier de capitaliste dans l'Union européenne d'aujourd'hui, et c'est le cas, j'allais dire, au moins depuis l'acte unique de 1986. Et c'est dû aussi à l'évolution globale des rapports de force, que ce soit les rapports de force dans chacun des pays européens, les rapports de force européens, ou globalement européens, ou les rapports de force internationaux. Mais aujourd'hui, il faut aussi voir que cette construction, elle est soumise à des tentations contradictoires. C'est-à-dire qu'on a à la fois la permanence des règles néolibérales, des traités européens, qui sont imposés aux peuples et aux nations d'Europe, et je rejoins ce que disait Emmanuel Morel là-dessus tout à l'heure, et que cherchent à maintenir les classes dirigeantes européennes, et qui reposent sur la primauté absolue du marché intérieur, des libertés capitalistes, qui sont le fondement des traités européens imposés aux peuples, qui reposent sur la permanence de l'utilisation de la dette publique et de son instrumentalisation comme épée de Damoclès au-dessus des politiques nationales. On a la permanence quand même des mécanismes de contrôle budgétaire de l'Union européenne sur les différents États européens, même s'ils sont un peu affaiblis, même si le pacte de stabilité et de croissance est suspendu. Suspendu, ça ne veut pas dire aboli. Le semestre européen, par exemple, se poursuit, même sous une forme un peu affaiblie, même sous une forme qui ne se dit plus quantitative, mais qualitative, sa logique fondamentale demeure. Et l'indépendance, entre guillemets, de la BCE, qui n'est pas une indépendance vis-à-vis des marchés financiers, mais une indépendance vis-à-vis du pouvoir démocratique, demeure le fondement de la manière dont la monnaie unique est conçue pour faire justement de cette monnaie unique un outil au service de la domination des marchés financiers. Mais on a aussi le fait que les effets de la crise dont on a abondamment parlé, qui entraînent aussi pour les classes dirigeantes européennes une certaine crise d'hégémonie en Europe, et ça trouve sa place dans la crise démocratique plus globale dont on parlait tout à l'heure, fait que certaines des classes dirigeantes européennes sont contraintes de faire un pas de côté tactique. Ce qui s'est passé avec le gouvernement allemand, ou au moment des négociations du plan, entre guillemets, de relance de l'Union européenne, pour moi, c'est plus quelque chose de tactique que de stratégique. C'est Angela Merkel et la classe dirigeante allemande qui a essayé de sauver l'intégralité de la construction néolibérale européenne, des modes de fonctionnement de la zone euro, en étant contrainte de faire un pas de côté tactique et en acceptant des choses qu'elle a toujours, pour l'instant, refusé, mais avec l'espoir de pouvoir revenir au modèle antérieur. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je ne sais pas si on peut parler encore de projet commun des bourgeoisies européennes autour de la question européenne.
entre ceux qui veulent faire un pas en avant vers plus de fédéralisme, en utilisant par exemple la question fiscale, par ceux qui veulent promouvoir purement un libre-échange, par le pas de côté tactique des Allemands ou par l'idée de souveraineté européenne que Macron cherche à promouvoir et dont il cherche d'ailleurs à faire un de ses axes de campagne présidentielle. Donc, et là, je pense que la gauche peut aussi avoir un rôle à jouer justement pour proposer et proposer de la mise en œuvre d'une rupture par rapport à ce mode de construction qui implique, par exemple, de remettre en cause, de désobéir, et je rejoins ce qu'Emmanuel Morel disait tout à l'heure, sur les règles budgétaires européennes, sur la question du semestre européen et sur la manière dont plus largement est utilisé l'argent en Europe. Parce que, par exemple, on a un plan de relance, un soi-disant plan de relance qui n'en est pas tout à fait un quand même, parce qu'il est quand même sous-dimensionné et il est aussi quand même surconditionné parce qu'il doit se placer dans la ligne de développement de l'Union européenne, c'est-à-dire en gros le capitalisme vert et la question numérique. Il y a la question de la BCE et des opérations monétaires de création monétaire de la BCE. Cet argent-là, la question se pose de son utilisation et du contrôle sur son utilisation. Si cet argent-là était réorienté vers des politiques de développement, vers des politiques de, d'investissement dans les services publics, pour l'éducation, pour la santé, pour la transition écologique, pour le développement des filières industrielles, etc., on aurait quand même une de toute autre coopération européenne qui serait possible. Et ça passe aussi par la mise sous contrôle démocratique des parlements nationaux de l'emploi de cet argent-là. C'est pour ça que nous, on propose par exemple la création d'un fonds européen sous contrôle du Parlement européen et des parlements nationaux qui pourrait piloter la répartition de cet argent pour servir aux politiques nationales. Alors, et aux politiques de développement dans un sens progressiste développé par les États européens. Justement, alors nous on parle de bifurcation, mais il y a ce terme de Great Reset qui est employé par Davos, par le World Economic Forum, qui n'est pas du tout conspirationniste, qui est vrai, pour réorienter vers une économie décarbonée, pour changer un peu, enfin capitaliste, mais décarboné, on va dire. Est-ce qu'il y a aussi, et ça, je vais me tourner vers Emmanuel Morel, un Great Reset possible de l'Union européenne, avec notamment le départ politique planifié d'Angela Merkel? Qu'est-ce qu'on peut attendre de la suite du moteur, pseudo-moteur franco-allemand? Et est-ce que la France, là, aurait intérêt à prendre un leadership, justement, sur les pays du Sud, comme parlait François Ruffin dans son introduction, mais au-delà de ça, sur une refondation européenne? Je ne suis pas sûr que le départ d'Angela Merkel change quelque chose, parce que les Allemands, ils continueront à faire ce qu'ils font, c'est-à-dire défendre les intérêts allemands. Et ils sont aidés en cela, et c'est d'ailleurs la conséquence de l'élargissement qui a été, à mon avis, insuffisamment pensé par les dirigeants français au moment où ça a été décidé. Et les Allemands sont soutenus en cela par ce qu'on pourrait dire de façon caricaturale, un Hinterland qui est quand même, qui leur est très attaché, je pense notamment... au pays de l'Est. Donc, là où vous pointez du doigt une réalité tangible, c'est que la France ne joue pas son rôle en Europe. Et ça fait maintenant plus d'une décennie que ça dure. Hein. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on avait inversé un rapport de force, elle n'a pas été saisie par des dirigeants, en gros Sarkozy, Hollande, Macron, qui, alors soit parce qu'ils anticipent un rapport de force défavorable, soit parce qu'en réalité ils n'en ont pas tellement envie, n'osent pas ou ne veulent pas contribuer à l'inflexion des politiques européennes. Et c'est d'autant plus dommage que à plusieurs reprises, je pense notamment à 2012, hein, le rapport de force était favorable. Vous parliez de l'Europe du Sud, mais moi je me souviens d'un très grand nombre de collègues qui disaient « mais qu'est-ce que vous avez foutu en 2012 ?» alors que là, on était prêt à embrayer pour essayer de peser dans le rapport de force face à l'Allemagne. Je dis ça, mais en réalité, on pourrait remonter plus loin, parce que si vous vous souvenez, bon, ça c'est pour les plus anciens d'entre nous, mais à la fin des années 90, vous aviez une immense majorité des gouvernements qui étaient socialistes et sociodémocrates, hein, 13 sur 15,
Et il s'est passé quoi? Il s'est passé rien, si ce n'est un nouveau traité, en l'occurrence c'était Amsterdam puis Nice, qui était défavorable au monde du travail. Donc là aussi, il y a vraiment une position française qui est à mon avis trop en retrait. Et c'est pour ça qu'il faut pas faire l'impasse sur 2022 déjà. Parfois, dans vos français, cette façon, bon, 2020, c'est dur, c'est planté, et puis... Non, parce que si on veut vraiment changer les choses, il faut gagner en 2022. Il faut à la fois faire échec à Macron, bien sûr, et puis empêcher le danger Le Pen. Je reviens quand même sur un point qui a été dit, je crois, par Anne-Laure, qu'elle mettait en perspective le poids chinois, le poids déclinant des Américains et celui de l'Europe. Mais quel est notre problème à nous, Européens? C'est qu'on est trop souvent traversés par des contradictions. Le rapport, on parlait du rapport aux États-Unis. On devrait être en capacité d'avoir un langage clair par rapport aux États-Unis, d'être en capacité de se protéger, d'être en capacité de résister. Mais vous avez, notamment à l'Est, hein, moi je le vis avec mes collègues quasiment tous les jours, hein, un tel attachement, on va dire, pour des raisons historiques, à l'OTAN, que c'est très compliqué de dénouer ce lien. Et de la même façon, on ne parle pas assez de la Chine en Europe même. Mais vous avez aujourd'hui, notamment suite aux politiques d'austérité qu'ont défiguré un certain nombre de pays, et qui se sont tournés vers la Chine pour les aider. Hein. La Grèce, par exemple, en fait partie. Et donc, si on veut, parce que M. Macron se gargarise de mots sur l'autonomie européenne, la souveraineté européenne, mais déjà, la première chose, ça serait d'être en capacité d'assumer cette rupture-là. La deuxième chose, moi je crois, c'est ce que disait... mon camarade du PGE à l'instant, je pense que l'enjeu, ça serait vraiment de construire l'Europe des travailleurs. C'est la seule façon, en réalité, hein, de contrecarrer les plans des détenteurs du capital sur le continent. Mais la difficulté, d'abord, c'est qu'on a une Confédération européenne des syndicats qui est relativement faible. Et puis, on a aussi autre chose, c'est que les travailleurs européens sont mis en concurrence via la directive travailleurs détachés. C'est pour ça que c'est un impératif. Montebourg le disait hier dans son interview, mais d'autres le disent, hein, Mélenchon le répète souvent, et pas assez de dirigeants, la question du travail détaché, de la directive travailleurs détachés, elle est centrale si on veut rétablir un rapport de force qui soit à peu près favorable. Enfin, je finis, il faut en finir avec un certain nombre de préventions. La seule façon pour l'Europe de redevenir centrale et puissante, c'est déjà d'avoir une vraie stratégie par rapport à l'Afrique. Bon, aujourd'hui, ça n'est absolument pas le cas. Hein. Les Chinois ont une stratégie africaine. Elle est agressive. On pourrait la qualifier même de néo-impérialiste, mais elle existe. C'est pas le cas des Européens. Alors que c'est l'évidence qu'aujourd'hui, il faut se tourner vers le continent africain. Et en plus, on serait fondé à le faire, ne serait-ce que pour des raisons culturelles, historiques. Enfin, est-ce que c'est à moi de rappeler les liens que nous entretenons avec les pays de la Méditerranée, avec le Maghreb? Là, il y a un enjeu colossal. Mais ça vaut aussi pour la Russie. Et moi, j'arrête pas de dire à mes collègues de l'Est, vous parlez d'une Europe indépendance, d'une Europe puissance, mais vous pouvez pas partir du principe que les relations avec la Russie, elles doivent être nécessairement tendues ou dans la défiance. Là aussi, il y a un travail à faire avec cette haute grande puissance, parce que d'un point de vue géopolitique, ça me paraît totalement indispensable. Et il faut pas trop rater les occasions, parce que de ce point de vue-là, le temps passe quand même assez rapidement. Alors, je voulais donner la parole à Anne-Laure. Trois points très très rapides. Je crois qu'en effet, l'Europe ne se vit pas comme une puissance en tant que telle, qui est d'ailleurs un des sujets qu'on a. Et c'est pour ça qu'on lutte aussi mal ou qu'on a autant de problèmes de stratégie. Et oui, bien sûr, par rapport à l'Afrique, mais aussi on peut appliquer le même raisonnement par rapport à l'Amérique latine, qui ne demande que de l'Europe, qui ne veut pas des Chinois, et on sait ce qu'ils pensent des États-Unis. Donc là-dessus, c'est en effet quelque chose qu'on ne voit pas. Deuxième point qui est d'avoir en tête, on est toujours autour du couple franco-allemand, et ça, il faut arrêter cette erreur de raisonnement. L'Allemagne voit toujours son intérêt en premier et qui la blâmerait. Enfin, je veux dire, c'est tout à fait leur droit. Mais il ne faut pas faire cette faute de raisonnement par rapport à ça. L'Europe sert l'Allemagne quand ça sert l'Allemagne et pas l'inverse. Et la troisième des choses, c'est que je voulais nous faire tous remarquer dans le vocabulaire qu'on emploie, la France partie des pays du Sud. On aurait eu ce débat même peut-être il y a quelques mois. Peut-être que certains d'entre nous aurions dit qu'on était entre deux, entre les pays du Nord ou entre les pays du Sud. Et il y a encore quelques mois avant, dans les pays du Nord. Donc c'est très intéressant que nous-mêmes on le dise, parce que les pays du Sud
ont commencé à le dire il y a quelques mois de nous, en nous assimilant, alors qu'avant on faisait plutôt partie des pays du Nord. Je crois qu'aussi le fait que la France n'ait jamais voulu marquer une solidarité forte avec les pays du Sud, on l'a bien vu dans le cas de la Grèce, on pourrait reprendre d'autres exemples, c'est la même chose aussi dans le cas espagnol, se soit pensé comme une puissance du Nord, mais sans non plus s'intégrer avec les puissances du Nord, on a un peu été entre deux chaises, et on arrive là, la situation dans laquelle on est, par quelque part un manque d'assimilation, ou peut-être d'avoir été le trait d'union entre les deux, mais ce rôle-là non plus, on ne l'a pas joué. Voilà les quelques points que j'avais de mon côté. Vincent voulait également revenir sur cette Europe qui s'empêche. Oui, moi je voulais revenir là, sur la question qu'a commencé à aborder Emmanuel Maurel sur la question de la politique étrangère et la manière dont les pays européens ou des coopérations européennes pourraient s'inscrire dans un nouvel ordre du monde, quelque part. D'une part, je voudrais y revenir sur la question Chine-États-Unis. Je pense qu'on ne peut pas renvoyer dos à dos tout à fait la manière dont l'impérialisme américain, d'une part, et la Chine s'inscrivent dans la recomposition des rapports de force internationaux actuellement. Mais je pense qu'on pourra aussi avoir reprendre cette discussion ultérieurement. Sur la question de la Russie, je pense que il y a évidemment entre pays européens plusieurs approches vis-à-vis de la question, parce qu'il y a plusieurs approches vis-à-vis de l'OTAN. Entre des pays d'Europe de l'Est qui sont totalement inféodés à l'influence américaine et qui ne veulent pas entendre parler de défense européenne, ou une approche qui dit que la défense européenne doit être quelque part le pilier européen de l'OTAN. Je pense, pour ce qui nous concerne, qu'il faut sortir de l'OTAN. Là, il y a une vraie rupture à avoir. Sortir de l'OTAN parce qu'il faut sortir de cette logique de bloc dans laquelle l'OTAN nous enferme. Et c'est un outil aussi pour répondre aux défis qui se posent aux pays européens vis-à-vis de leur voisinage, par exemple vis-à-vis de la Russie. Sortir de cette logique de bloc permettrait de poser enfin la question de la sécurité collective. C'est-à-dire de la manière que les décisions sécuritaires prises par un État n'aillent pas à l'encontre des décisions sécuritaires prises par l'État d'à côté. C'est ça la sécurité collective. Je pense par exemple que ce qu'on a été capable de faire pendant la guerre froide à Helsinki, par la conférence d'Helsinki, on est capable aujourd'hui de pouvoir le faire. Je pense que le débat, il doit être aujourd'hui posé d'une conférence pan-européenne qui inclut la Russie, de paix, de coopération et de sécurité collective qui puissent déboucher sur un nouveau traité. Là, la question, elle est urgente quand on voit la montée des différentes tensions, voire même des bruits de bottes qu'on peut entendre et qui sont extrêmement inquiétants dans la recomposition du désordre, j'allais dire, international et au contraire pour un nouvel ordre du monde. Virginie Rosière, cette question de l'OTAN, elle revient souvent. Est-ce qu'elle devrait être sur la table? Est-ce que ça pourrait être un thème de campagne pour 2022? La France devrait-elle quitter l'OTAN? Je ne suis pas sûre que ce soit le thème de campagne sur lequel on mobilise le plus, à vrai dire. Hein. Par contre, la question certainement mérite d'être posée. On parlait du rapport de force, on parlait de la difficulté à faire émerger une position géopolitique commune au niveau européen, et on voit bien qu'aujourd'hui on a une imbrication forte entre le rapport de force économique et de commerce international et le rapport de force géopolitique. La question de l'atlantisme d'un grand nombre de pays européens se pose effectivement, et en ça, pour sans doute qu'effectivement pour remettre du rapport de force, pour montrer qu'un autre chemin est possible, la France a sans doute une valeur d'exemple. Alors la question de quel point pousser le curseur, sortir du commandement intégré, remettre en question l'OTAN aujourd'hui. La question des membres de l'OTAN aussi se pose, parce qu'on voit qu'on a des tensions très fortes qui se font jour justement aux portes de l'Europe avec la manière dont la Turquie se comporte avec un certain nombre de pays européens, le choix de se poser justement de manière intransigeante face à la Turquie qui est membre de l'OTAN, tout ça effectivement plaide pour une prise de distance et la reprise au moins dans un premier temps d'une autonomie stratégique au niveau international pour après construire des solidarités et un positionnement européen, mais qui ne va pas de soi aujourd'hui, qui est loin d'être acquis et qui n'émergera pas sans difficulté.
Aurélie Filippetti, on parle de cette question, hein, de la bifurcation. On parlait de crise existentielle en introduction. La place de la culture, des imaginaires, va être extrêmement importante. Qu'est-ce que peut être fait aujourd'hui pour construire, pour faire les ponts entre les cultures, justement, parce qu'on parle d'OTAN, c'est de la défense, c'est de la guerre, c'est vendre des armes de destruction massive, mais comment faire pour approcher les cerveaux, les cœurs, avec la culture, et quelle pourrait être une Europe des frontières, portée par une vision culturelle? Déjà, c'est une Europe qui sache protéger, justement, ses créateurs, que ce soit les artistes, les sociétés de production audiovisuelle, le cinéma européen, bien sûr, hein, parce que le cinéma européen va être extrêmement affecté par la crise et par les deux confinements. C'était un cinéma avec, notamment grâce à l'exception culturelle, hein, qui se portait quand même relativement bien, surtout le cinéma français, bien sûr. Enfin, il y avait une manière de faire financer les films produits en France et en Europe par le système de la taxe sur la billetterie, donc en faisant finalement payer une espèce de taxe, y compris sur les best-sellers hollywoodiens, au profit de nos productions locales. C'est un système qui marche très bien, qui est très vertueux. Bon, le problème, c'est que là, maintenant, avec les salles fermées, etc., tout le monde s'est tourné vers les réseaux et vers les modes de diffusion qui ne participent pas du financement, justement, de l'exception culturelle. C'est-à-dire que les GAFAM, dont on parlait tout à l'heure, ils financent les productions qu'eux veulent financer, mais ils refusent de s'insérer dans nos modes de régulation de l'exception culturelle, qui permettent de passer, que ce soit par le CNC ou par d'autres types de régulation, mais en tout cas, ils refusent de s'inscrire là-dedans. Donc là, on va avoir une vraie difficulté. Pour moi, franchement, hein, la culture et notre système de production audiovisuelle vont être parmi les secteurs les plus mis à mal par ces deux confinements et par la pandémie. Et c'est tragique, parce que la culture, c'est pas une question de... Pas parce que c'est le domaine dont j'ai eu à m'occuper, mais c'est parce que c'est la manière dont on représente le monde. Vous l'avez dit, c'est la question de l'imaginaire. Et si on n'est plus présent dans la représentation du monde, dans l'imaginaire, dans la manière de véhiculer, de construire, d'inventer des histoires, etc., qui nous soient propres, hein, à nous, Européens, et là, on voit très bien qu'on a énormément de choses en commun, d'ailleurs, beaucoup plus que de choses qui nous séparent. Et au fond, si on perd ça, si on perd sur ce terrain-là, on aura tout perdu. Alors là, vraiment, je suis extrêmement inquiète, parce qu'on avait, par ces mécanismes de financement et par des politiques culturelles quand même très, très ambitieuses, hein, depuis des années, grosso modo depuis l'après-guerre, on avait quand même réussi à avoir un écosystème culturel très, 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 très vivace. Et il est très durablement affecté par la crise. Merci. Alors, il va être temps de conclure. On arrive à l'issue de ces deux heures de débat qui ont été très riches et très courtes, hein, compte tenu des sujets qu'on a abordés. Je vais vous demander à chacun de conclure en un mot comment vous voyez cette grande bifurcation, cette reprise de destin français et européen. Commencez par David. Soyez court, puisque on a... Je crois que cette bifurcation devra être placée sous le signe de la puissance publique, une puissance publique profondément réinventée. Nos États savent faire la guerre, un peu moins bien la paix. Ils savent mobiliser la productivité et l'industrie. Ils savent un peu assurer la solidarité entre les citoyens. Mais il y a tout un continent qu'il va falloir découvrir, c'est celui justement de la reconquête d'un sol commun, de la transition écologique, de la santé, de la culture, on en a parlé tout à l'heure, de l'éducation, bref, tout ce qui touche au bien-être des populations, tout ce que l'économiste Robert Boyer a appelé dans son langage l'économie anthropogénétique, l'économie de la vie, de la nature et du bien-être. Et c'est une gigantesque mutation qui nécessite évidemment qu'on construise de très larges coalitions sociales, et on ne pourra le faire que si on a un véritable projet, pas simplement un projet politique, mais aussi un projet de civilisation, et qu'on est capable de proposer à cette alternative mortifère entre le néolibéralisme et l'identitarisme, qui n'est que sa version réactionnelle en quelque sorte, un nouveau chemin de civilisation, et qu'on le fait dans l'apaisement, en essayant d'agréger de larges catégories sociales autour de ça, et pas en étant en permanence dans la stigmatisation de ceux qui ne pensent pas au millimètre près
comme on croit qu'on pense. Merci. Alors, merci pour cette conclusion. Alors, en quelques mots, la conclusion sur cette grande bifurcation. Alors, la chance vraiment d'un nouveau projet de société, la chance de construire mieux, la chance de construire pour le plus grand nombre. On a des taux extrêmement bas, on a la possibilité d'avoir énormément de ressources. Donc, on est encore plus en nécessité et en responsabilité de devoir construire quelque chose d'alternatif parce que c'est un moment unique, c'est un moment de l'heure des choix et qu'on a la possibilité de faire ses choix, de construire ses choix avec le plus grand nombre. Donc un message en même temps d'espoir et de responsabilité et un peu de gravité parce qu'il faut le faire maintenant. Chaque jour qui passe et où le projet n'est pas construit, on laisse des gens sur le côté de la route. C'est inacceptable, surtout quand on a les moyens. Merci. Vincent Boulet, en un mot, la conclusion sur cette grande bifurcation, comment l'envisager ? C'est autour d'un projet de civilisation. D'autres en ont parlé avant moi, un projet de civilisation qui mette au cœur en Europe les nations souveraines et associées, parce que les deux idées marchent ensemble, pour tourner la page des règles austéritaires européennes et pour, j'allais dire, en quelque sorte que la règle d'or budgétaire, comme l'appellent les partisans de l'austérité, soit remplacée par un autre type de règle qui soit une règle sociale et démocratique qui respecte la souveraineté des nations et permette à ces nations de développer des coopérations dans un cadre qui soit bénéfique et bénéfique pour tous et toutes. Merci. Aurélie Filippetti, en conclusion, cette grande bifurcation, comment vous l'envisagez ? Ah, peut-être que sur la méthode, on pourrait donner la parole aux jeunes, aux plus jeunes générations, avec une sorte de parlement de la jeunesse européenne, et puis leur demander à eux, au fond, leurs priorités. Et la manière dont ils allouaient justement les fonds qu'on a su dégager et dont Anne-Laure Kechel disait fort justement qu'aujourd'hui, ils ne nous coûtent quasiment rien. Donc, au fond, c'est assez jeune de dire sur quoi on va mettre la priorité. Puis ça relancerait aussi la dynamique européenne qui n'a jamais eu d'aussi bonne illustration que Erasmus, bien sûr. Erasmus qui aujourd'hui est en panne et qui est à l'arrêt même. Mais voilà, il faut redonner la parole aux plus jeunes. Merci. Virginie Rosière, le mot de la fin sur cette bifurcation. Et on voit que le travail et la tâche est immense, mais et qu'on a quelques difficultés devant nous, des contradictions même à résoudre. La première, c'est qu'on est dans une situation d'urgence, urgence sociale, urgence écologique aussi. Tous les jours qui passent laissent des gens sur le bord de la route, comme le disait Anne-Laure Kechel, mais tous les jours qui passent aussi mettent en péril les conditions de notre existence sur la Terre. Et donc on a un besoin de changement profond de modèle, urgent. Et pourtant, les conditions de la construction et de l'adhésion, parce qu'on doit effectivement discuter entre nous, essayer de construire entre nous ce que pourrait être ce projet alternatif, mais il n'a de sens que si il est partagé par le plus grand nombre et qu'il suscite l'adhésion du plus grand nombre. Donc on a ce travail de production intellectuelle à faire, mais on a aussi à renouer des liens qui sont quand même de plus en plus distendus et brisés entre la représentation intellectuelle et politique et les citoyens. Donc le défi démocratique, c'est la difficulté, c'est qu'on est dans une urgence, mais que reconstruire le tissu démocratique autour de ce projet de civilisation, ce sera une tâche particulièrement ardue, mais on sent monter le besoin, on sent monter une aspiration, je pense, à quelque chose d'autre et au fait de trouver un nouveau sens à nos existences individuelles et collectives. Donc On aura une question d'attitude, d'humilité dans ce qu'on pourra mettre sur la table et proposer. Je pense qu'on doit commencer à le faire entre nous, trouver comme on l'a fait pendant ces deux jours, la possibilité de discuter entre personnes qui partagent certains aspects d'analyse, qui divergent sur d'autres points de vue, mais le mettre en commun tout ça, et puis aujourd'hui aussi de le mettre en commun avec les citoyens et de construire avec eux. Merci. Et enfin, pour conclure, le mot de la fin pour Emmanuel Morel. Et la gauche républicaine et socialiste, comment reprendre notre destin en main ? Alors, on en a parlé dans ce débat.
Bon, je vais régler ça en une minute, alors qu'on me reprend notre destin en main. Non, mais d'abord, laissez-moi quand même vous remercier les intervenants. Alors, ceux depuis hier, hein, parce que ça a été vraiment des tables rondes de très, très grande qualité, puis ceux en particulier de ce débat, parce que moi, je sors de ce débat très enrichi. En plus, il était très bien animé. Sir Monsieur Alexis Poulain. Non, mais je pense, bon, d'abord quand même, alors il y a l'idéal, et Aurélie Filippetti avait raison dès le départ de reparler de ça, parce que moi j'étais rentré directement dans la dimension conflictuelle, antagonique, parce qu'il y a quand même des combats devant nous, et des combats très importants, les élections intermédiaires 2022. C'est vrai que j'étais peut-être trop précipité par cet objectif de court terme, et que j'aurais dû, en préalable, parler de notre idéal. Mais quand même, hein, quand je parle de désintoxication idéologique, quand je parle de bataille culturelle, de bataille anthropologique, même, je crois que c'est de ça dont il faut partir. Peut-être en un mot, ce qu'il faut, c'est restaurer ou instaurer l'harmonie, là où on est dans une société qui est profondément disharmonique. L'harmonie avec la nature, l'harmonie entre les êtres humains, et puis peut-être, parce que c'est ce que disait François Ruffin au début qui m'y fait penser, restaurer du lien, et cette idée de réparation, c'est très important ça, quand vous avez un problème de téléphone, vous ne vous adressez plus qu'à des chiffres que vous composez sur votre smartphone, ou à des gens qui sont parfois à 10 000 km de là, et ben quelqu'un qui peut venir réparer, ça fait partie aussi d'un projet de société. Il avait totalement raison de le dire. Ça s'inscrit dans une sorte de contre-modèle où il va falloir réhabiliter la lenteur, la beauté, la culture, comme le disaient très bien nos intervenants, la gratuité, la coopération, une forme de décence aussi, hein, parce que je ne veux pas, tout le monde met Orwell à toutes les sauces, je ne vais pas revenir sur la décence commune, mais c'est quand même très important dans une société profondément et brutalement inégalitaire de restaurer un peu de décence dans les comportements humains. Et enfin, on a parlé un tout petit peu de poésie au début de ce débat. Bah, je crois qu'en effet, il faut chercher les voies et les moyens pour habiter poétiquement le monde. Ce n'est pas facile, mais on peut y parvenir ensemble. Merci à toutes et à tous. Merci à vous de nous avoir suivis. Alors oui, les universités, elles sont là justement pour réfléchir, hein, pour ouvrir la boîte, pour parler de poésie, pour parler de futur, pour parler d'imaginaire. On l'a fait. J'espère que ça a été enrichissant pour vous également. On arrête pour ce débat, mais on revient dans un quart d'heure pour revenir sur le programme complet de ces universités, conclure avec vous sur ce qu'on a pu défricher, apprendre, voir et esquisser pour la suite des opérations. À tout de suite.